Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, la patronne. Oh, tiens. Pourquoi j'en ai pas l'air? Je peux pas me tromper, vous me rappelez tellement mon père. Quoi? Je vous aurais eu très jeune, hein? Oui, ça je peux pas le savoir, il est parti avant ma naissance. Ah bon? Oui, c'est comme votre femme, d'ailleurs c'est drôle, elle me rappelle terriblement ma mère. Ma femme? Alors, mais oui. Elle est encore plus jeune que moi. Ah bah, sans doute qu'elle m'aurait eu encore plus tôt que vous. Mais ça, je l'ai pas connue non plus, elle est partie aussi. Ah, avant votre naissance? Non. Elle est partie tout de suite après pour essayer de rattraper mon père. Ah bon? Oui. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il y a pas longtemps que vous êtes avec nous, alors on n'a pas encore le temps de parler. De... Oui, ça c'est vrai, mais même si on n'a pas beaucoup parlé, qu'est-ce que je me sens bien chez vous? C'est vrai, je me sens en famille, comme si j'avais un père et une mère. Ah bah je comprends. Ah. Dites-moi à propos de votre mère. Oui. Non, enfin, je veux dire, ma femme est rentrée. Encore? Quoi encore? Elle a encore emplafonné la voiture? Ah non! Bah c'est vous qui me le dites. Ah non, je vous demande si elle est rentrée ici. Ici? Oui. Ah non, non, j'ai vu personne. Vous voulez un verre, vous aussi? Oui, tiens, pourquoi pas. Ouais. Ah, vous savez pas où elle est allée? Ah non, encore un manque de communication. Elle m'a pas communiqué sa destination. Je pense qu'elle est au magasin. Dans le sien? Ah ben non, dans celui des autres. Où elle achète sa marchandise pour la vendre dans le sien. Qu'est-ce qu'elle est drôle, alors. Ah, comme antiquaire, elle est plus forte qu'un brocanteur. Moi, j'aurais voulu être votre femme. Ah. Marié avec moi? Non, faut pas rêver. Non, pour faire son métier, comme elle le fait, elle. Mais elle est géniale! Vous savez pas que vous étiez si sensible à son talent? Oh, ben c'est parce qu'on communique pas assez. Bah oui, ben forcément, je suis tellement surchargé. Oh ben moi, les journées qu'on a... Ah oui, moi, vous aussi. Oh, mais moi, je voudrais communiquer comme vous, là. Hein, comme moi? Oui. Vous attendez un coup de téléphone? Hein? Non, pas du tout. Pourquoi? Alors quoi, vous attendez pour téléphoner? Mais non! Bah, qu'est-ce que vous faites là, assis, planté devant le téléphone? Hein? Bah parce que je suis assis là, et que le téléphone est posé là. Ouais. Bah, je vais pas rester planté devant la commode pour vous faire plaisir. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Il sonne. Oui, alors? Vous voulez que je décroche? Oui. Alors faut le dire! Non! Vous décrochez d'ici! Quoi? Hein? Parce que je veux être tranquille quand je téléphone. Allô? 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 Ah, maintenant, à cause de vous, il n'y a personne. Comment, à cause de moi? Bah oui. Mais comment personne n'a pu deviner que j'étais là? Bah, la preuve. Puisqu'elle a raccroché. Qui a raccroché? Hein? Mon PDG. C'est une femme? Mais non, voyons, qui vous fait croire ça? Ben, comment vous dites, elle a raccroché? Évidemment, la standardiste. Hein, mais comment vous avez pu deviner que c'était la standardiste de votre PDG? Non, parce qu'à cette heure-ci, il n'y a que lui qui peut m'appeler. Comme j'ai pas décroché, elle va me faire une scène. La standardiste? Hein? Non, mais non, c'est que mon PDG. Oh, votre PDG vous fait des scènes? Oui, non, puis vous m'embêtez, hein. Quand je téléphone, vous n'allez pas rester là. Oh, tant que j'ai du travail à la cuisine. Oh. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Voulez-vous les brouillés ou à la coque? Quoi? Vos œufs! Oui, mais moi je vous ai demandé des œufs! Je vous demande ce que vous voulez manger, vous me répondez œufs. Moi, pour moi, ça fait deux œufs. Mais non, j'ai fait œufs. Ah oui, comme on dit bof. Ouais. Ça y est, la standardiste qui remet ça! Allez voir à la cuisine si j'y suis, hein! Vous ne pouvez pas être à la cuisine. Arrêtez, puisque vous êtes ici. Oh ben ça ne prouve rien. Allez, filez. Allô, oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Non, une seconde, ne quittez pas. Non. Vous avez compris? Je vais voir si vous êtes à la cuisine. Non. Prenez la porte immédiatement. Où est-ce que je dois la mettre? Non, sortez, fermez-la. Oui. Non, pas toi, pas vous. Non, c'est parce que c'est un acquis. C'est un acquis. Il me ferait passer pour une grecque. Dehors! Allô? Ah oui, non, parce que... Je vais t'expliquer, c'est un acquis... Mais non, je t'ai jamais parlé d'elle. Mais mon trésor, c'est ma gouvernante. Oui, elle est là. Bah, bien sûr qu'elle est là pour moi tout seule. Elle s'occupe de mon ménage. Hein? Mais parce qu'elle n'a pas besoin d'être au courant de notre amour. Oui. Ah bah non, tu vois, non. Enfin, tu vas pas encore pouvoir venir ici. Oui, je sais que je te l'ai promis. Mais c'est ça, oui, 20 fois. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai des clients qui sont là pour une affaire. Des Grecs. Hein?
Ah ben, mais non, voyons, lui renvoyer, c'est impossible, hein? Eh ben, non, écoute, mais comment, ou toi? Hein? C'est cette nuit dans mon lit ou plus jamais nulle part? Enfin, voyons, sois raisonnable, hein? Quoi? Alors, c'est à prendre ou à laisser? Non, mais attends, ne t'énerve pas! Bon, que je vais me débrouiller. Voilà, alors, tu vas me retéléphoner, hein, et je ferai comme si on me demandait d'urgence, voilà. Alors, tu comprendras que mes clients sont à côté de moi quand je dirai monsieur Mulot. Oui, Mulot, ça voudra dire que je vais pouvoir me libérer, c'est ça. Et après, tu pourras venir ici. Alors, hein, c'est quand même bien la preuve que je t'aime, ça. Mais oui, l'important, c'est de s'aimer. Mais bien sûr, oui. Oh, tu es rentrée! Comment le sais-tu? Hein? Puisque tu es là. Ah bon, je croyais que tu savais déjà que c'était dans un trottoir. Comment dans un trottoir? Eh bien, que j'étais rentrée avec la voiture. Non, ne me dis pas que... Mais si. Non, encore? Eh oui. Mais quand? En rentrant ici. Oh, mais pour cent, mets tes lunettes! J'ai oublié! Ah oui, mais bien sûr, tu les oublies tout le temps! Bon, enfin, bref, l'essentiel, c'est que tu n'es rien. Et la voiture? Ah, bah alors la voiture! Hein, quoi, la voiture? Je l'ai fait remorquer jusqu'au garage Renault. C'est une Fiat. Et alors? Bah, chez Renault, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'une Fiat? Ben justement, s'ils connaissent pas, ils seront peut-être intéressés. Sûrement d'ailleurs, puisqu'ils m'ont dit qu'ils allaient la regarder et nous appeler. Hein? À propos. Oui? Quand je suis rentrée, enfin je veux dire, quand je suis rentrée ici. Oui? Tu parlais à qui au téléphone? Moi, j'étais pas au téléphone. Ah bon? Alors tu disais oui-oui tout seul? Moi, je disais oui-oui. Ah oui-oui! Oui-oui, je disais oui-oui. Pourquoi? J'étais en train de penser à tes parents. À mes parents? Oui-oui. Et je me disais que si tu les vois pas plus souvent, ben c'est de ma faute. Ta faute? Oui-oui. Parce que, bon, ben, je suis un égoïste. Par amour. Par amour? Mais oui, quoi, toi, comme je t'aime, j'accapare. Qui? Eh ben, toi, comme je t'aime, je t'accapare, puisque tu es ici tout le temps avec moi, tandis que tes parents sont perdus là-bas, à 250 kilomètres. Bon, bah, écoute, on va quand même les voir à Pâques. Oui, et à Noël. Alors, deux fois par an, moi, je trouve que c'est pas suffisant. Pas suffisant? Quand on a la chance d'avoir des parents comme les tiens, mais on les laisse pas tomber. Écoute, c'est bien la première fois que tu me parles d'eux comme ça. Oui, et c'est un tort. Enfin, de toute façon, comme j'ai cassé ma voiture aujourd'hui. Ah, oui, ça, je sais. Merci. Et la tienne la semaine dernière. Oui, je sais, merci. On ira voir mes parents une autre fois. Ah non. C'est pas parce qu'on est victime d'un petit incident mécanique que l'on doit sacrifier sa famille. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Hein? Comment qu'est-ce que je veux faire d'autre? Et le train? Est-ce que tu as déjà pensé au train? Au train? Mais oui, le train, ça existe, figure-toi. Tiens, au début de la semaine, il y a un type de l'usine qui a dû aller en province. Et comme ça, hein, tout à fait machinalement, j'ai folleté un horaire. Où est-ce que je l'ai mis? Tiens, voilà. Voilà. Et bien, moi, qui n'ouvre jamais un de ces bouquins, je me suis rendu compte qu'on avait un réseau ferroviaire absolument fabuleux. À ce point-là? Ah, tu n'imagines pas ce que c'est. On a l'habitude de tout critiquer parce qu'on n'est pas au courant d'une telle réussite. Mais maintenant, je comprends le sens de toutes les affiches. Allez-y par le train. Il y aura toujours un train pour aller quelque part. Faites-le avec le train. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Pas d'équivoque. On prend le train. Oui, parce qu'avec le train, tout est possible. Vraiment? Alors, s'il y a tous ces trains, c'est bien pour monter dedans et aller embrasser tes parents. Tiens, c'est bien ça, on va faire un essai. Alors, voyons voir. La Ferté Saint-Aubin. Mais pourquoi la Ferté Saint-Aubin? Et parce que tes parents habitent à côté. Ah oui, c'est ouais. Vrai. Alors, La Ferté. Oh, c'est pas vrai, Léo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, quel réseau. Oh, quel réseau, mes enfants. Oh là là, Léo. Alors, 7, 8, 9, 11, 13 trains par jour. Direct, tu entends ça? Direct. Et aller et retour. Ce qui fait qu'il y a à peu près... 25 trains par jour qui font Paris-La Ferté, La Ferté-Paris. Autrement dit, on peut, tous les trois quarts d'heure, il y a un train qui y va pendant qu'un autre en vient. Ah, je commence à comprendre l'expression « un train peut en cacher un autre ». Faut pas être pressé au passage à niveau, hein. Bon, peut-être, mais enfin, je vois pas l'intérêt d'aller 25 fois à La Ferté. Si on peut y aller 25 fois, on a d'autant moins d'excuses de ne pas y aller une fois, surtout lorsque l'occasion se présente. Quelle occasion? Bah, l'occasion d'aller embrasser tes parents. Eh oui! Mais oui, dans le fond, pourquoi pas? N'est-ce pas? Oh, et puis, surtout, je trouve que c'est tellement gentil de ta part de penser à eux comme ça. N'est-ce pas? J'en ai presque honte. N'est-ce pas? Non, il ne faut pas, voyons. Ah, ben si, j'ai l'impression que tu les aimes plus que moi. Mais non. Regarde, le meilleur moyen de leur prouver que tu les aimes autant que moi, eh bien, c'est d'aller les embrasser avec le train.
Tu crois? Mais voyons, tiens, on va voir s'il y en a un. Oui. Alors l'inferté, bon, il est qu'à moyen d'inferté. Eh ben tiens, c'est ça, il y en a un dans 55 minutes. Oui, ça c'est sûr, ça leur fera plaisir. Hein. Plaisir? Mais fou de joie, tu veux dire. Ah, moi, à ta place, je n'hésiterai pas une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Mais je les appelle. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est très très bien. Hein. Allô, maman? Oui, c'est moi. Comment ça va? Bon. Et papa? En pleine forme? Tu es assise? Alors assieds-toi. J'ai une surprise pour vous. On arrive ce soir. Ah ben ça, je sais pas, c'est le train qui part dans... Hein? Dans 54 minutes. Ah ben voilà, c'est ça, dans même pas une heure. Alors vous nous attendrez pour dîner, hein? Ouais. Oui. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Moi aussi. Quoi? Non, moi aussi, je les embrasse. Ah oui, Bernard aussi vous embrasse. Ah ben bien sûr, il vient avec moi dîner aussi. Voilà, alors comme ça, tout le monde se réjouit. À tout à l'heure. Oh, tu sais qu'un mari comme toi, faudrait vraiment l'inventer. Ah, vous êtes rentrés? Oui, encore. Dans une vitrine? Non, dans un trottoir. Oh, ben c'est original. Comment original? C'est tout l'effet que ça vous fait? Oh, écoutez, depuis que je suis là, ça fait au moins 3 fois, alors ouais. Je commence à être blasé. Oui, ben pas moins. Non, à propos, faudra pas oublier de prévenir l'assureur. Bah, c'est fait, j'ai l'habitude. Hein. Ah. Tenez, voici l'adresse du garage. Oui. Oh, bah, je vais y aller lundi. Si ça se trouve, je connais déjà l'expert. T'es toujours d'accord pour les œufs? Quels œufs? Je voulais dîner avec des œufs. Non, non, nous partons. Sans dîner? Voilà. Bon, bah, moi, je vais aller me faire cuire un œuf. Non, 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 papa, papa, du tout, non. Ça doit être... Ça, c'est certainement le garage Renault qui veut pas de la Fiat, hein. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, c'est pas le garage. Allô? Oui? Ah, c'est vous. Comment allez-vous, monsieur Mulot? Oui, bien. Et madame Mulot? Et très, très... Bon, parfait. Et les petits mus? Non, enfin, je veux dire les enfants. Oui, ah ben je comprends, oui, très bien. Pardon, si je peux vous rendre service? Mais c'est avec plaisir, monsieur Mulot, si je peux. Hein, je pourrais sûrement. Oui. Non, c'est pas possible. Ah bien, en effet, bien sûr, ben oui. S'il faut y aller, ben, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, monsieur Mulot. Vous n'avez personne d'autre sous la main, ben tant pis, hein, voilà. Oh, je sais que vous n'êtes pas un ingrat, monsieur Mulot. Oui, très bien. Eh bien, vous pourrez compter sur moi, monsieur Mulot. Oui, monsieur Mulot. Oui, parfaitement, monsieur Mulot. Alors, mes hommages à madame Mulot, hein. Oui, et bon voyage, monsieur... Non, c'est vrai, vous ne partez pas, oui. Bon, eh bien, au revoir, monsieur Mulot. C'était Mulot. Mulot, ton PDG? Oui. Qu'est-ce bon. Qu'il voulait? Eh bien, voilà, j'ai un billet de retenue pour le vol de 20h45 pour Marseille. Ce soir? Là, oui, tout de suite. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la faute de Cornemou, Sam. Qui est-ce? Hein? Cornemou. Tu connais pas Cornemou? Ah non, excuse-moi, mais tu m'as jamais parlé de Cornemou. Cornemou? Eh bien, Cornemou, c'est un... Enfin, c'est un représentant de la maison, tu vois. Et alors, il était parti pour Marseille, et il avait plein de puces. Oh, ben, il y a des tas de moyens pour s'en défaire, hein. Justement, lui, il avait mis les siennes dans sa serviette. Quoi, il avait mis ses puces dans sa serviette? Ben, il avait gardé sur lui pendant le voyage. Alors, bref, on lui a volé sa serviette, il y en avait pour une fortune. Une fortune en puces? Mais bien sûr, ça représente tout le département électronique des microprocesseurs de la maison. Ça s'appelle des puces. Ah, oui. Hein? Enfin, bref, le temps de porter plainte, de m'occuper des formalités. Franchement, enfin, c'est de rester là-bas 24-48 heures. Oh là 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 là, ça c'est embêtant. Hein? Ah, bah oui, surtout pour moi. Oh là là, tiens. Ah, pourtant, t'as vu, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec Mulot pour pas y aller. Mais impossible de se défiler. Oh bah dans ce cas-là, moi je laisse tomber. Hein? Ah, tu laisses tomber quoi? Ah bah la fierté, qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire toute seule alors que papa et maman nous attendent tous les deux? Oh! Et moi qui me faisais une joie d'aller les voir! Oh, oui, en effet. T'as vu, pourtant, c'est même moi qui ai eu l'idée. Hein? Ça, bien sûr. Oh là là, je vois leur tête d'ici. Quelle déception si toi-même, tu vas pas les voir. Tu crois? Mais oui, pour eux, l'important, c'est de voir leur petite, enfin leur grande fille. Oui, évidemment, vu comme ça. N'est-ce pas? Hein? Allez, fais ta valise. Hein? Tout de suite. Anna! Et toi? Hein, quoi, moi? Ta valise? Oh, moi, tu sais, une chemise, un pyjama, je mettrais tout ça dans ma serviette. Hein. Tâche de pas te la faire voler. Hein? Quoi? Ta serviette comme Cornemou. Ah, mais moi, j'ai pas de puce. Moi non plus, j'ai pas de puce. Hein? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, rien.
Quand on m'appelle, je viens. Ah oui, c'est moi. Sortez-moi une petite valise. Une petite valise? Oui. Oh oui, vous savez ce que c'est qu'une petite valise? Oui, c'est une valise pas grande. Voilà, et bien alors allez la chercher. Voilà, et vous mettrez ma robe beige. Dans la valise? Non, sur le lit. Bizarre. Bon, alors une chemise, un pyjama. Voilà, celle-là, ça ira. Oh, très bien, parfait. Bon. Bon, et vous? Ma brosse à dents, mon aftershave, mon rasoir, une paire de pantoufles et peut-être un peigne. Alors comme ça, vous partez en voyage? Oui. Longtemps? Non, 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 mon mari est obligé d'aller à Marseille pour le week-end. Ah. Alors moi, je vais en profiter pour aller embrasser mes parents. Oh, vos parents? Voilà, le strict nécessaire. Oui. Ah, décidément, je ne comprendrai jamais les gens qui s'embarquent avec un tas de valises. Bon, ça, je me demande même si c'est nécessaire que j'emporte une robe. Oh. Ah si, tu peux avoir besoin de te changer pour faire plaisir à ta mère. Oh, oui, et surtout si vous renversez de la sauce. Ah oui, tout peut arriver. Hein. Oui, alors je prépare pour deux nuits, une robe pour la pluie, et puis d'autres chaussures pour la sauce. Très bien. Voilà. Bon, eh ben moi, je vais chercher un taxi. Ma téléphone. Ah, oh non, oh là là, je les entends d'ici. Hein. Désolé, monsieur, nous n'avons pas de voiture. Ah, puis il faut absolument pas que tu rates ton train. Ni toi, ton avion. Mon quoi? Ah oui, mon avion. Ah oui, alors tu comprends, un taxi avec un bon pourboire, j'en ai tout de suite. Allez, dépêche-toi, j'en ai pour 5 minutes. Oui, dans le fond, pourquoi pas. Mais alors, pour ça, il faudrait... Celle-là? Ça, c'est conforme? Oh, très bien, parfait. Dites-moi, Anna. Quoi? J'étais en train de penser à quelque chose. Quoi donc? Pourquoi est-ce que vous ne profiteriez pas de notre absence pour aller dans votre pays? Et dans mon pays? Mais je connais plus personne. Mais si on vous offre le voyage? Ah oh, ben, si c'est payé, alors je vais voir. Je reconnaîtrai peut-être quelqu'un. À cette heure-ci, vous avez sûrement un train. Parce qu'il faut partir tout de suite. Ah ben, bien sûr, immédiatement, en même temps que nous. Où est-ce que vous allez déjà? Rue d'Oualec, du Fanon, la chaussée, les bains. Et où est-ce? C'est à côté de Concarneau. Ah. Bah attention, il n'y a pas de gare. Oui, enfin, c'est à côté de Concarneau, quoi. Hein. Oui, mais il y a quand même 25 bornes à se taper sous la pluie, après Concarneau. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Vous avez un rapide direct dans même pas 3 quarts d'heure. Bon. Oh, tenez, 1000 francs, ça va? Ah oui, enfin, oui. Écoutez, ça ira, hein. Faut faire aller, faut... Alors, allez vite faire votre valise. Voilà, j'y vais. Oui. Allô? Allô, oui, c'est moi. Ah, tu t'y attendais pas, hein? Alors voilà, je t'appelle parce que on va pouvoir passer tout le week-end ensemble. Hein? N'est-ce pas que c'est formidable? Alors voilà, je serai à la gare de Sterlitz. Voyons. Mon train est à 25. Non, je le prends pas, je t'expliquerai. Alors je t'attendrai dans la salle d'attente à partir de 8h30. D'accord? Oui. Oui, moi aussi, je me réjouis. Allez, à tout de suite! Voilà! Le taxi est là! Tu es prête? Hey, dépêche-toi! Parce que le temps et le compteur tournent ensemble! Hein. Voilà, je suis prête! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je suis contente d'aller à La Ferté! Qu'est-ce que tu es belle dans cette robe pour prendre le train! Bah écoute, tant qu'à aller voir maman! Hein. Bah oui, autant faire plaisir au contrôleur! Alors tout est pour le mieux! Dis-moi, à propos, en revenant, là, je pensais à Anna. Ah oui? Oui, je me disais que c'est peut-être pas gentil de la laisser ici toute seule. Ah oui? Oui, surtout que, bon, elle est là tout le temps. On pourrait peut-être lui proposer d'aller faire un oui. tour. Elle est tout enfermée. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Non! Si! Oh, mais surtout, tu es parfaite. Absolument parfaite! Elle a un train, moi? Non, même pas 3 quarts d'heure. Ah, oh, ça, c'est parfait. Ah, tu sais, ça ne m'étonne pas que nous formions un couple parfait. Ah non? Mais oui, parce que nous avons toujours les mêmes idées parfaites au même moment. Voilà. Je suis prête, ça y est. Ah, vous êtes contente? Oui, complètement. Vous avez fermé le gaz? Oui, à double tour, comme la porte de l'escalier du personnel. Bon, alors vous pouvez revenir lundi soir. Oh, tu sais, tu peux lui l'aider jusqu'à mardi, parce que je ne sais pas si je pourrai rentrer avant. Bon, alors c'est entendu.
Bon, alors vous, c'est... Montparnasse. Après Austerlitz, c'est parfait, c'est sur mon chemin. Et ta serviette? Oh, bon Dieu, ma serviette. Et n'oubliez pas d'éteindre. Oui, alors avant de donner des conseils, vous feriez mieux d'appeler l'ascenseur. Hein. Et t'achètes pas à vous tromper de quai, hein. Oh, ben, y a pas de danger, je sais voyager quand même. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis pris pied dans quelque chose. Hein. Dans quoi? Ah, dans quoi, si je l'avais vu, et je l'aurais vu. Ah, tiens, voilà, c'est ta valise, d'ailleurs. Oh, t'as encore oublié, hein? Mais je l'avais pas vu. Eh ben oui, mais tes lunettes. Mais j'ai oublié. Ah, bon, et puis alors, n'oublie pas dans le train. Non, ça, il n'y a pas de danger. Mais enfin, elle aussi, elle sait voyager. Oui, on va à la preuve, hein. Bon, alors, et cet ascenseur? Ah ben, il vient de repartir, quelqu'un l'a appelé. Mais il fallait ouvrir la porte. Mais je pouvais pas. Je regardais monsieur qui tombait. Non, mais faut être idiote de sauter dans le train quand on a tout sur place. Ah, décidément, rien ne vaut un bon chez soi payé par les autres. Ça, j'ai eu de la chance. Ils sont sympas, ces deux-là. Et puis généreux. Mais je serais bien mieux dans mon lit pour finir ce petit-là. Allez. Attends, je vais allumer. C'est une valise, tiens. Une valise? Oh, c'est Anna qui l'a oublié en partant. Ah oui? Enfin, ça fait rien. Installe-toi. Alors? Alors quoi? Eh bien, comment tu te trouves? Ah oui, oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est joli. C'est joli. Tu es pas heureux? Si, si. C'est quand même très imprudent. Imprudent, alors qu'on n'aura jamais été aussi libre que ce soir. Oh, libre, libre. Ben parfaitement, j'ai téléphoné à mes parents de la gare pour leur dire que je pouvais pas venir. Mon mari est à 1000 km, ma bonne à 500. Total, on est séparés par 1500 km. Alors, si tu appelles pas ça libre, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, évidemment, vu de ce côté-là. Enfin, moi, j'aurais préféré aller chez moi. Ah non, non, ça justement. Maintenant que tu es ici, je peux bien dire que chez toi, c'est pas... Mais quoi? Mon studio n'est pas bien? Ah si, si, en soi, il est bien, mais... Mais j'y suis pas tranquille, comme ici. Pas tranquille, mon studio? Tout sur cours. Double vitrage, vidéo, stéréo, lumière sur aérostat. Ah non, non, de ce côté-là, je ne discute pas. Mais quand je dis tranquille, je pense tranquille. Et c'est quoi, penser tranquille? Eh bien, ça veut dire que pour penser que je fais quelque chose de mal, j'ai besoin d'être tranquille. Toutes les femmes sont comme moi. Ouais, enfin, tu serais aussi tranquille chez moi, hein? Ah non. Non, la preuve, c'est que chez toi, au dernier moment, j'ai toujours eu un blocage. Oui, j'ai vu, oui, oui. Alors qu'ici, j'en aurais pas. T'es sûr, hein? Mais oui. Oui, parce qu'ici, je suis complètement détendue, relax, puisque je suis chez moi avec toi. C'est pas trop tôt, hein? L'essentiel, c'est que tu es si attendre, hein? C'est le résultat qui compte. Ah, tu sais, quelqu'un a dit une chose à laquelle je croyais pas du tout. Avec quoi? Qu'il y a deux moyens pour avoir les femmes. Ou l'argent, ou le temps. Et alors? Eh bien, je me rends compte que c'était pas faux. Pourquoi? Parce que ta patience va être récompensée. Oui? Oh, tu as envie. Oh, oui. Oh. Oh, je sens que tu vas me faire faire des folies. Ah, oh, bah oui, mais tu m'énerves. Il faut pas. Ah, oui, mais c'est toi qui m'énerves. Alors, commence par te déshabiller. Ah, oui, oui, oui. Là, maintenant. Hein. Oui. Mais pas tout, tout de suite. Ah, pas tout? Non. Non, il faut faire durer le plaisir. Ah oui? Mets-toi à l'aise. Voilà. Fais comme si tu étais chez toi. Mais... Oh, mais c'est très bien que j'aurais préféré aller chez moi. Ben enfin, détends-toi. Fais comme si tu étais chez toi. Regarde, il y a exactement les mêmes choses que chez toi. Le whisky, la vodka. Ah bah tiens, non, la vodka, il y en a presque plus. Enfin, du gin, du porto, tout, tout, tout. Et en plus de tout ça... Tu sais ce qu'il y a? Non, quoi? Eh bien, moi, pour toi. Oh, oui. Oh, attends. Attends, je vais nous servir un verre. J'ai une de ces soifs. Ah oui, moi aussi, j'ai une de ces soifs. Ça doit être le homard. On va boire tous les deux à notre première nuit. Oui. Tu vois, tout arrive. Mmh. Tiens. À nous. À nous.
Tu m'aimes? Oui. Comment? Comment? Fort? Fort? Ah oui, fort. Oh, embrasse-moi. Oh oui. Oh, lâche-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre un peignoir. Mais là, maintenant? Ah bah oui, sinon tu vas déchirer ma robe. Oh. Mais c'est parce que tu me mets dans un état. Et justement, regarde. Avec un peignoir, tu n'auras pas besoin d'arracher les boutons. Oh, mais j'en peux plus d'attendre, moi. Oh, moi aussi. Mais c'est pas une raison pour se précipiter. Ah oui. Resserre-moi. Oh. C'est ce que je fais. Non, pas moi. Resserre-moi un verre. Ah oui. Oui, ça vaut mieux, oui. Alors, je vais m'en resserrer un aussi, hein. Mais bien sûr. Oh, la chaîne de ses soifs. Ça, c'est... Non, c'est sûrement le homard, il n'y a pas... Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pyjama, Trésor. Pour qui? Mais pour toi, Trésor. Mais ne me dis pas que c'est un pyjama de ton mari. Mais bien sûr, Trésor. Mais je vais pas aller dans ton lit avec un pyjama de ton mari. Mais il est propre. Oh. Mais la question n'est pas là, enfin. Tu finirais par plus savoir si c'est avec moi ou avec lui. Oh tu... non, ça, je peux pas me tromper. Hein. Non. J'ai horreur de ce mot-là. C'est pourtant bien ce que nous allons faire. Ah non, pardon. Toi, pas moi. Comment? Ah bah oui, moi je connais pas ton mari. Pour moi, il n'existe pas. Et je peux pas tromper quelqu'un qui n'existe pas. Mais moi, quand je suis là avec toi, pour moi non plus, il n'existe pas. Et pourtant, je le trompe. Ouais, ouais. Bon, bah n'en parlons plus. De toute façon, je ne mettrai pas ce pyjama. Ah bah tu mettras rien du tout, hein. Tu seras tout nu, là. Tout nu. Non, j'aurais préféré aller chez moi, hein. Allons, voyons, ne dis pas de bêtises. Embrasse-moi. Non, mais... Embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais ça, là! Oh! Anna? Oui? C'est vous? Qui est-ce? Je suis sa technicienne d'espace. Nous sommes foutus! Mais non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, et vous? Mais comment et moi? Mais c'est moi qui vous pose une question. Laquelle? Vous avez raté votre train? Mais pas du tout! Alors vous avez perdu l'argent? Non, c'est justement à cause de l'argent que je suis pas partie. Bon, bah c'est moi qui vais partir. Ah, mais non! Alors? C'est vrai, je me suis dit 1000 francs pour monter dans le train, c'est vraiment trop cher. Mais cet argent, c'était pour que vous partiez! Ah, on vous laisse débarrasser de moi? Oui! Mais non, pas du tout! Ah oui, j'ai compris. Comme l'autre est parti, vous avez renoncé à aller à La Ferté pour revenir ici avec celui-là. Oui! Mais non, pas du tout! Oh. Je savais que j'aurais mieux fait d'aller chez moi. Oh, ben ça... Ah ça, il va être furieux, l'autre! Moi? Oh ben non, pas vous, l'autre, le sien, le vrai. Mais il va être furieux quand il va savoir qu'elle n'a pas été chez ses parents. Ah non, ça, je vous en prie, laissez mes parents tranquilles. Hein. Ah bah avec moi, il risque rien. Hein. Alors, c'est pas moi qui vais aller m'embêter, enfin, les embêter à La Ferté. Bon, écoutez, c'est très simple, je vais tout vous expliquer. Oui. Mais tu ne vas pas. Ah bah si, pour que tout soit clair, je vais tout lui dire. Oui. Alors voilà ce monsieur. Madame. Vous pouvez m'appeler Anna. Ah oui, c'est un joli prénom. Hein. Oh, merci. Il est gracieux, hein? N'est-ce pas? Oui. Alors voilà, c'est un ami d'enfance. Ah, de l'autre? Non, de moi. Mon mari ne le connaît pas. Oh oh! Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, oh, oh. C'est un tic. Non? Non, eh ben, il n'y a pas de haut. Ah. Et il est décorateur. Ha ha! Pourquoi est-ce qu'elle fait ha ha? Parce que c'est un tic! Alors, s'il est décorateur, sûrement vous avez rencontré votre ami d'enfance dans votre magasin. Voilà, vous y êtes! Et aujourd'hui, par hasard, je l'ai rencontré à la gare. Vous avez décidé de le ramener ici? Oui, pour préparer une surprise! Quel genre de surprise? Eh bien, je veux qu'il m'aide à décorer... La chambre à coucher. Oui. Non! Le salon, d'abord. Mais plus tard, bien plus tard. Oh, ben plus tard, oui, on verra. Il s'occupera de la garniture de lit. Voilà. Enfin, je veux que ce soit une surprise pour monsieur. Donc, évidemment, pour ne pas lui gâcher cette surprise, il ne faudra absolument pas lui dire que vous nous avez vus. Pas vu du tout. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un compte? Oui, débiteur. Oh. Voilà pour acheter... Ah, pour acheter votre... mon silence. Bon, vous achèterez ce que vous voudrez, c'est pour votre compte. C'est pour que vous n'ayez pas envie de gâcher la surprise que nous préparons. Voilà, alors pour vous y encourager, voilà le petit frère de celui que je viens de vous offrir. Ça c'est bien, comme ça l'aîné se sentira moins seul. Voilà. Donc tout ce que vous pouviez imaginer n'existe pas. Oui, c'est mieux comme ça, sinon ça risquait de me donner des idées.
Quelles idées? Des idées fausses, sûrement. Oh bah oui. Parfois, les apparences sont si trompeuses. Ah, c'est ça. C'est ce que je me dis toujours. Oh! Ah, bah, elle a sorti un pyjama de l'autre. Non, mais c'est-à-dire que... C'est pour celui-là? Bah, faut pas le rouler comme ça. Il va être tout fripé là-dedans. Non, mais c'était pas pour moi. Je voulais pas le mettre. Bah, pourquoi pas? Si la conversation s'éternise à cause de la décoration, c'est vrai, il sera plus à l'aise. Oh, je vois que vous comprenez tout ça très oui, bien. Oui, oh, je sais, je connais, j'ai déjà donné. Bravo. Ne protestez pas. Non, je ne proteste pas. Je le sens, je l'entends, qu'il se froisse. Et vous le méritez. Oh, mais comment? Alors maintenant, vous allez pouvoir aller vous coucher bien tranquillement. Mais oui, j'ai mon compte. Enfin, je veux dire mon compte à le sien. Je vais pas continuer à vous embêter. Voilà. Ciao. Mais vous avez bu? Moi? Jamais. Vous sentez la vodka? N'est-ce pas? J'en sais rien, moi, si elle te dit que non, elle le sait mieux que nous. Oui, il me semble que... Oui, le... Moi aussi, il me semble qu'il sent le whisky. Vous avez raison, j'en ai bu. Ah, voilà. Vous avez fini la vodka? Oui, voilà. Vous aviez soif, sans doute? Oui, voilà. Comme lui. Et oui, voilà. Quand on a soif, on boit ce qu'on aime. Hein. Et oui. Vous avez raison, vous avez bien fait et tout cela restera entre nous. Ah bon, vous irez pas lui répéter à l'autre? Que vous n'êtes pas parti? Mais non, que j'ai bu la vodka. Non, mais vous non plus. Ah non, moi j'irai pas lui dire que celui-là préfère le whisky. Non, vous ne lui direz pas non plus que je n'ai pas pris le train. Mais puisque j'ai pris le mien, je peux pas savoir que vous avez pas pris le vôtre. Oh bien, ça oui, ça c'est très très bien. Ah oui, ah ça c'est bien, ça c'est très très bien. Alors si par hasard le téléphone sonnait... On répond pas, vous êtes à la Ferté, lui on sait même pas qu'il est là, et moi je roule tranquille dans mon train. Eh bien, puisque vous êtes dans votre train, prenez donc votre valise. Oh, merci, ben heureusement qu'elle me... Oh, j'allais l'oublier sur le quai. Alors bon voyage. Oh, ben vous aussi, hein, en voiture. Attention au départ. Je savais que j'aurais mieux fait d'aller chez moi. Voyons, c'est pas elle qui va nous empêcher de nous aimer. Mais non, bien sûr. Mais avec ma voiture, en 5 minutes, on y serait déjà. Où ça? Chez moi. Mais regarde comme nous allons être bien. Mais pourquoi est-ce que tu m'énerves comme ça? Je sais pas, moi, mais... Mais y a pas de mais, allez, viens. Oui, enfin, moi, depuis que je sais qu'elle est là, ça m'a beaucoup refroidi, hein. Je vais très vite te réchauffer. Oui, bon... Tu vas voir. Entre, ma beauté, entre. Je ne vois rien. Tiens, ne bouge pas, tiens, mets-toi là. Voilà. Voilà. Tu m'attends chez toi. Oh, pou. Quoi? C'est le plus beau jour de ma vie. Ah bon? Oh, mais rends-toi compte. C'est la première fois que je vais dîner chez Maxime. Ah, oh, et ça t'a plu? Ah oui. Mais alors surtout, c'est la première fois que j'entre là où habite mon pou. Ah, oh ben oui, tu vois, c'est là. Oh, hein? Dis donc ça alors. Ça te plaît pas? Oh, si, je suis folle de joie, tu veux dire. Ah, bon, ben tant mieux. Oh, si j'avais su que c'était aussi grand, j'aurais apporté mes valises. Hein? Tes valises? Pourquoi faire? M'installer. Oh, t'installer. Mais rends-toi compte, Poupou chérie. Toute cette place perdue là, où il n'y a rien. Qui c'est ça? Ah, c'est une statue. Non, ça. Ah non, ça, bah, ça c'est que... Ah, ça, bah, c'est ma sœur. Tu m'avais pas dit que t'avais une sœur? Ah si, j'en ai une. Où elle est? Elle est pas mal, elle est à la Ferté. Elle est bien, hein? Oui, elle est bien, elle est très très bien, oui. Où c'est, la Ferté? La Ferté? Ah, c'est loin, c'est au Congo. C'est au bord du Congo, ça s'appelle la Ferté-sur-Congo. Oh, tu sais que tu as une bouche, toi. Oh, t'as une bouche. Oh, c'est un vrai spot publicitaire pour du dentifrice. Mais ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait à la Ferté-sur-Congo? Dentiste. Elle est dentiste sans frontières. Oh, mais tu vas pas nous embêter avec ma sœur toute la soirée. Mais pourquoi t'as sa photo? Eh ben parce que c'est ma sale sœur. Alors que je la sors de temps en temps pour la voir, hein. Mais là, ça va, je l'ai assez vue, hein. On va l'arranger. Elle va pas être triste dans le tiroir? Non, elle a l'habitude, elle y est toute la semaine. Je la sors que le samedi, hein. Voilà. Qu'est-ce que je me sens bien ici.
merci. Eh bien, c'est ce qu'il faut, que tu te sentes détendue. Oh, oh oui, détends-toi, ouais, détendue. Décrispée, hein. Oui, oh, ça décrispe, ça. Là, là. Ça y est. Ouais, la petite panette, elle sort pas, voilà. Parce que je suis ouais. enfin chez mon poupou. Oh, oui. Poupou. Oui, seul. Seul avec toi. Oh, oui, seul, ça. Ça pourrait être seul, nous sommes seuls, tu sais. Comme, oh, comme sur une île déserte. Allez, viens, rien. Tout de suite. Oh, immédiatement, immédiatement. Ah oui, mais alors avant, il faut que je te dise. Ah oui. J'ai douté de toi. Comment? De moi? Ah, oui, comme tu ne voulais pas que je vienne ici. Ah, oui. Eh bien, je pensais que tu étais mariée. Moi, mariée? Oui. Ah oui, moi, mariée. Mais tu sais, je ne l'ai jamais dit, mais je suis folle de jalousie. Ah, oh, mais c'est quand tu es une passionnée, toi. Oui. Oh, t'es passionnée. Oui. Mais si tu me mentais, je pourrais faire n'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Bon, enfin, tu plaisantes, voyons. Je serais même capable de te tuer. Ah, hein? Ah, bon? T'es plus, tu plumes les antennes, hein? Pas du tout. J'aime mon poupou et je veux l'avoir à moi, savoir qu'il est à moi, le garder pour moi toute seule. Mais hé, hey, quand on veut garder son poupou, on ne le tue pas. C'est le meilleur moyen de le perdre. Ah tiens, à propos, j'oubliais. Pour fêter cette première fois. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Oh, oh! Poupou, poupou. Oh! Oh, mais c'est pas vrai. Mais non, mais non. Comment? Hein? Non, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est une vraie bague. Depuis le temps que tu en voulais une. Oui, mais quand je te parlais d'une bague, je te parlais d'une bague sans pierre. Hein? Sans pierre? Bah oui, une bague sans rien. Comme un anneau. Ah, comme un anneau. Ah oui, mais alors là, tu vois, tu peux toujours faire tourner la pierre à l'intérieur de ta main, n'est-ce pas? Et là, il ne reste que l'anneau. Oui, mais moi, je te parlais pas d'une bague court-tour. Ah, ben alors, on peut toujours donner un coup de scie. Où ça? Sur la bague. Pagne, hop, plus de pierre, il ne reste que l'anneau. Je te parlais pas d'une bague qu'on scie. Ah bon? Je te parlais d'une alliance, tu vois? Oh oui, oh oui, je vois, ça, je vois, je vois. Ah oui, mais tu sais, avant l'alliance, il y a toujours une bague avec quelque chose dessus. Ah, bien sûr, la bague de fiançailles. Voilà. Enfin, maintenant que j'y suis, je vais rester. Rester, oh oui, rester. Rester, rester. Où ça? Ici. Ici? Oui. Ah, mais non. Comment non? Ah non, ben non, parce que tu comprends, c'est qu'à l'heure actuelle... Quoi, à l'heure actuelle? Eh ben oui, il y a tellement de choses à dire que je sais pas par quel bout commencer. Et alors, ça n'empêche pas les gens de se marier? Eh, ah ben si, ça, ben, ça c'est à voir. D'ailleurs, tu sais, ça se fait de moins en moins. Mais enfin, poupou, il le faudra bien un jour ou l'autre. Ah oui, ça, il le faudra. Alors, que ce soit maintenant ou plus tard... Autant que ce soit plus tard. Pourquoi? Mais parce que tu comprends, en ce moment, c'est que là, tu vois, c'est impossible. Pourquoi? Mais parce que là, j'ai toute la tapisserie à refaire. Ça a l'air tout neuf. Ah oui, mais la couleur ne va pas du tout avec celle de tes yeux. Ah non? Ah mais oui, tu comprends. Pour faire tapisser, c'est pas très long. Très, mais au contraire, tu peux pas savoir ce que c'est. Dès que les ouvriers commencent, ils font traîner, ils font traîner. Ben, normal, parce que plus ils traînent, plus ils touchent. Eh ben, pendant les travaux, tu viendras habiter chez moi? Oh, chez toi. Chez toi, c'est pas impossible. Pourquoi? Mais parce que, tu comprends, il faut que je sois là le matin pour ouvrir les portes. Eh ben, tu laisseras faire ta bonne. Mais non, elle voudra pas. Ouvrir la porte? Mais ben, c'est-à-dire que, tu comprends, elle est tout de suite débordée, elle se noie dans un verre d'eau. Puis avant les tapissiers, je vais voir les peintres. Les peintres? Bah oui, les peintres. Et avant encore, les plombiers. Les plombiers? Mais oui, pour refaire toute la tuyauterie, hein, tu comprends pas? Ça fuit de partout. Tous ces vieux immeubles, c'est pourri. Hein, ah ben oui, tu comprends? Et avant tout ça, encore, j'aurai les maçons. Les maçons? Oui. Mais pourquoi faire les maçons? Pour boucher les trous. Les trous? Quels trous? Hein? Mais tous les trous qu'il y a ici, tu peux pas t'imaginer le nombre de trous qu'il y a ici. C'est bien simple, c'est plus un appartement, c'est un fromage. Mais où est-ce qu'ils sont, les trous? Hein? Derrière la croûte? Enfin, non, exactement, on ne sait pas où ils sont. On sait seulement qu'il y en a partout. Hein. Eh ben, j'en vois aucun. Mais forcément, parce qu'ils sont dans le mur, sous la tapisserie. Ah! Eh ben, si on ne les voit pas, il n'y a qu'à ne pas changer la tapisserie, laisser les trous dessous. Ah ah! Ça, on ne peut pas. Pourquoi? C'est à cause de l'écho. L'écho?
Bah ici, c'est l'écho inversé. Inversé? Tac, oui, c'est-à-dire que tu fais « Écho, tu es là !» Il est pas là. C'est ce qu'on appelle de l'acoustique sidérante. C'est pour ça qu'on dit que les murs ont des oreilles? Voilà, alors comme il n'écoute pas, il répond à rien. Mais je t'entends très bien, Poupou. Oui, mais parce que là, nous sommes dans un axe qui évite tous les trous. Et si je change de place, par exemple? Tiens, mets-toi là. Qu'est-ce que tu fais, Poupou? T'es bon. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais Poupou, je t'entends pas! Oui, time's up, il t'a faux au bidibé. J'ai pas compris. Eh bien, je te parlais et tout ce que je te disais tombait dans un trou. Oh, ça alors! C'est le mot! Alors tu comprends bien que je peux pas te faire vivre dans un endroit où tu n'entends même pas quand je t'écris que j'ai envie de toi. Mais n'importe où avec mon poupou, ça m'est égal. Oh, d'ailleurs, tu sais, je me demande si je vais pas déménager plutôt que de faire tous ces frais et tous ces travaux de démolition. Mais oui, mais on trouve pas un appartement comme on veut. Mais c'est ça le problème, hein? Ah, tu comprends bien, pour nous deux, tu comprends, il faut pas trop se précipiter. Bon, ben, je voudrais quand même bien que tu me fasses faire le tour. Le tour de quoi? Le tour de tout mon appartement. De ton appart? Ah oui, on va visiter. Par où veux-tu commencer? Par là. Oui, c'est la chambre à coucher. Tu m'excuseras s'il y a un peu de désordre, mais ma gouvernante est partie pour le week-end, alors il y a des affaires qui doivent traîner un peu partout. Je lui apprendrai à mettre de l'or. Oh, oui, ça, elle en a bien besoin. Allons-y. Non, et puis non. Et puis non, 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 je veux pas rentrer dans la chambre tout de suite. Pourquoi? Parce que tu vas me sauter dessus. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors je préfère voir le reste de mon appartement d'abord. Oh oui. Et la chambre en dernier. Oui, pour le dessert. Où est la cuisine? Ah, ça t'intéresse? Ouais, c'est important la cuisine pour réchauffer les surgelés. Hein? Eh ben, c'est par là. C'est... Ah, je me réjouis de la foi. Oui, tu verras, le couloir fait d'abord un coup, puis c'est tout au bout. Et finalement, j'ai rien vu, puisque Anna est arrivée à ce moment-là. Oh, tiens, c'est allumé. Ben, finalement, elle a eu raison, c'est pas plus mal. Hein. Ça crée une ambiance. Pendant que j'y suis, je t'en sers un? Oui, pourquoi pas. Eh bien, je te l'apporte. Voilà. Ah oui, c'est pas mal, la perle à la chine, tout à côté. Mais oui, non, mais c'est pas mal. Mais alors, il faudra remplacer cette boiserie par de la matière plastique. Oui, mais ça, on verra. C'est tout vu. Et là, c'est quoi? C'est la salle de bain. Elle est très grande aussi. Je veux la voir. Allons-y. Ah oui, je sais pas comment tu fais pour le boire pur. J'aime ce qui est fort. Ah oui, mais moi, sans eau, j'y arrive pas. je ne sais pas où est le Perrier. Attends, j'arrive. Ah, mais non, te dérange pas, je vais y aller. Bon, alors tu passes couloir, tout au bout, il y a la cuisine avec le réfrigérateur. Tu crois que tu vas trouver? Je vais essayer. Oui, elle est grande. Alors justement, il faudra mettre un sauna et une lampe à bronzer. Ah, tu crois? Ah oui, une baignoire qui fait des bulles. Bah, ça, on verra. C'est tout vu. Hein? Allez, allez, maintenant, viens, viens. Et là, hein? C'est quoi? Ça? Ah, ça, là! Ah, c'est une chambre, c'est une grande chambre. Pour ta sœur? Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est là que ma sœur dort quand elle n'est pas au Congo. Je veux la voir. Oui, mais alors vite, vite, vite! Ça y est, j'ai trouvé. Glacé exactement comme je l'aime. Eh bien, tant mieux, alors maintenant, viens te coucher. Oh, c'est confortable. N'est-ce pas, hein? Elle doit y être bien. Hein, qui ça? Eh ben, ta sœur. Ah oui, ma sœur, oh là là, mais elle adore cette chambre. Bon, allez, allons-y. Oh là là, faut pas t'énerver. Je n'énerve pas, je suis très calme. Ah non, mais doucement. Mais bien sûr, je suis doux, tu vois. Non, mais tu t'excites. Mais je suis pas des trucs. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Mais non, il y a pas personne. C'est quelqu'un, qu'est-ce que vous faites là-haut? Là, là? Oui, là. Je dors. Vous dormez? Oui, mais comme j'ai entendu du bruit. Du bruit? Mais je vous ai déposé à la gare il y a 3 heures. Qui est-ce? Je suis sa technicienne d'espace. Mais c'est Anna, c'est ma gouvernante. Eh bien, parlez-lui gentiment, Poupou, qu'est-ce que tu la grondes? Non, parce qu'elle ne devrait pas être ici. Elle devrait être ailleurs. Je ne comprends pas. Moi, j'ai compris. Oui, alors justement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le train? J'ai préféré garder l'argent pour mon compte. Oh, mais c'est très bien, ça va être économe. Tu devrais la féliciter, Poupou.
Non, parce qu'elle ne devrait pas être là. Mais c'est très bien qu'elle soit là, je suis ravie de la connaître. Présente-nous Poupou. Ah, mais non, non, non. N'appelle pas Poupou devant elle. Mais pourquoi pas? Mais d'accord, parce que ça l'a fatiguée. Et après, elle sursaute comme ça tout d'un coup. Ouais, elle sursaute. Bah, pourquoi? Ah, bah, parce que tu vois, elle est surprise. C'est la première fois que j'amène une femme ici. Eh bien, hein? Qui je suis? Hein? Ah, mais non, c'est inutile. Mais enfin, Poupou, elle doit savoir, puisque nous allons nous marier. Bon. Mademoiselle Piquet. Avec un cul. Oh. Oh. Oui, je vois. Non, non. Il n'y a rien. Ça s'écrit avec un cul. Ah, oui. Ah, et pour cause. Ouais, c'est une amie d'enfance. Ah. Elle est décoratrice? Pas du tout, pourquoi? Parce qu'en général, les amis d'enfance sont... Non, pas elle, non. Et elle fait quoi? En ce moment, la foire. Ah oui, je vois. Non, elle travaille à la foire internationale. Je m'en doute. Non, c'est-à-dire que mademoiselle est démonstratrice à la foire internationale de commerce. Ah. Oui, c'est-à-dire qu'elle présente aussi bien des sacs, des vélos, des casseroles... Et jamais de soutien-gorge? Si, souvent. Ah, oh, bon, parce que ça s'impose. Oui, ben écoutez, ça va bien, hein. Alors maintenant, vous nous laissez parce que j'ai à parler avec mademoiselle Bittel. Ah, pour faire une surprise? Hein, une surprise à qui? À madame? Oh non. Pas encore madame, seulement quand je serai votre patronne. Ma patronne, à moi? Bah oui. Non, mais c'est pas pour demain, hein. Mais pour bientôt, pour bientôt. Ça vous fait plaisir? Oui. Non, mais moi, je voulais parler de madame. Mais non, pas madame, mademoiselle. Oui, mais pour elle, c'est pareil, elle te prend déjà pour madame. Oui, c'est ça, d'accord. Mais c'est mademoiselle qui sera madame. Oui. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Madame, c'est madame. Puisqu'elle vous explique qu'elle est encore mademoiselle. Oui, mais si madame est encore mademoiselle, alors qu'est-ce qui se passe avec votre dame? Mais quelle dame? Mais la dame qui est là. Ah, elle n'est plus là. Ah, elle parle de ta sœur. Ah oui, c'est ça. Votre sœur? Qui est dentiste. Votre sœur est dentiste? Mais oui, puisqu'on vous dit qu'elle est dentiste à la Ferté-sur-Congo. Votre sœur est dentiste à la Ferté-sur-Congo? Ben oui. Et maintenant, elle est dans le tiroir. Tenez, elle est là, vous la reconnaissez? Ah oui! Oh, ben oui, ça, bien sûr, je la reconnais bien. C'est tout à fait votre sœur. Songes-tu à vous le dire, là? Oui. Nous, au début, je la remettais pas, mais maintenant, je la remets à sa place. Voilà, et c'est elle qui couche là. Là? Ben oui, quand elle est pas au Congo. Ben bien sûr, ou bien qu'elle couche quelque part. Et puis ça doit la changer des cases. Ah, ben ça y est. Ça y est, là, je vois que vous vous réveillez. Oui, ça y est, j'ai complètement réveillé maintenant. Ah, oui, oui, quelque chose pour moi, Poupou. Hein? Je vous aime déjà, Anna. Merci, vous êtes bien bonne. Non, la bonne, c'est vous. Hein. Oui. Tenez. Merci. C'est de ma part, merci. Ça. Merci. Et ça, c'est de la mienne. Ah, merci. Oh, c'est embêtant que le Congo soit si loin. Ah oui, bah tenez. Oui, parce que... Voilà. Ah. Oui, voilà de la part du Congo, de ma sœur. Merci. Ouais. Vous direz à madame votre sœur qu'elle est bien brave. Mais non, si elle avait été là, elle aurait fait comme moi. Ah. Bon, alors maintenant, vous pouvez aller vous coucher. Est-ce qu'elle est aussi au courant des trous, Poupou? Les trous, Poupou? Mais oui. Mais quel trou, Poupou? Tous les trous qu'il y a ici? Ici, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Mais si, tu vois bien qu'elle dort. Je vous rafraîchirai la mémoire demain. Non, j'aimerais mieux que vous me la rafraîchissiez tout de suite, tant qu'à faire. Bon, bah, parce qu'il est convenu de faire venir les peintres. Quels peintres? Hein, ceux-là? Oui. Ah, les peintres. Et les plombiers. Quels plombiers? Hein, ceux-là. Oui, ces plombiers-là. Voilà, oui. Et les maçons pour boucher les trous. Oui, voilà, tous les trous qu'il y a ici. Ceux dans le plancher. Non, dans les murs. Dans les murs, mais il y en a aussi dans le plancher. Ah oui, c'est ça, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pour ça que je lui expliquais qu'il était impossible qu'elle vienne s'installer ici. Impossible. Impossible. Absolument impossible. Moi, je serais vous, je partirais même ce soir ensemble. Pourquoi? Oh, parce que le plafond risque de s'effondrer. Il tiendra bien encore cette nuit, hein. Je ne garantis rien. Et si vous tombez sur la tête, toute la maison partirait avec, et là, vous ne vous en prendriez qu'à vous. Mais oui. Oui. Enfin, je...
Je vois que la soirée ne fait que commencer. Oui. Quand on aime... Oui, quand on aime, nous aimons parler. Oui, oui, oui. Je sais, je connais, j'ai déjà beaucoup donné. C'est pas à moi que vous allez vanter les charmes de la communication. Je ne vous conseillerais jamais trop de prendre la case de votre sœur. Oui, ah non, moi je préférerais aller dans celle-là. Ah non, pas là. Vous voulez pas me faire de la peine? Non, bien mais sûr. Mais non, comme je pensais qu'il voyageait, j'ai pas fait le ménage. Alors tout traîne, mes affaires sont partout, il y a un désordre, ça, j'aurais honte que vous voyez ça. Ah bon, parce que là tout est sans dessus-dessous? Exactement. Alors, ça, on peut pas mieux dire, tout est sans dessus-dessous. Et je suis sûre que ça vous ferait pas plaisir de voir tout ce sans dessus-dessous. Ben, je vous promets qu'on n'ira pas regarder. Ah, c'est gentil. Et demain? Oui, on va demain, si on y arrive, on verra. On verra. En attendant, je vais aller ranger vos affaires dans la chambre de votre sœur. Ah, oh, mais j'ai rien apporté. Oui, elle n'a pas de bagage. Ah, bah, aucune importance. Tout le monde n'a pas la chance de faire des études. Coucou. Oui. Tu as vu, elle m'a adoptée. Ah, oh, oui, ouais, tu crois. Elle voulait défaire mes valises. Regardez, avec ça, vous serez plus confortable. Oh, c'est joli. Ça vous plaît? Ah, oui. Ah, j'adore la lingerie. C'est à vous? Non, c'est à ma sœur. C'est à sa sœur. Mais comme elle est au Congo, elle n'en a pas besoin. Là-bas, tout le monde vit tout nu. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Voilà. Bon, eh bien, je crois que vous avez tout ce qu'il faut dans votre serviette. Oui, ça c'est bien vrai aussi. Hein. Et nous allons être parés pour passer le cap des tempêtes. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que la salle de bain est là, si vous voulez faire trempette. Ah. Elle est parfaite. C'est une véritable perle. Eh, une perle de culture. Que c'est agréable de s'entendre apprécier à sa juste valeur. Mais oui. Bon, alors, je vais éteindre. Je vous conseille de prendre la chambre de votre sœur et de bien fermer la porte. Oui. Moi, je dis ça pour que vous soyez tranquille. C'est très gentil. Voilà. Alors, bonne nuit. Oui. Au revoir. Coucou. Ah, mon bonbon. Ah, tous mon les deux, bonbon. Chez toi, bien touché. Ah, mon bonbon. Embrasse-moi. Ah oui. Heureusement qu'elle a encore oublié ses lunettes. Oh, tu en es dans un état, toi. Toi aussi. Oh là là. Allez, viens. Poupou. Immédiatement. Poupou, je trouve qu'il y a une plus sexy qu'un homme comme toi. Ah bon, s'il te plaît? Oh oui, parce que tu es bien fait. Oh oui, ça, c'est pas mal. Ah oui. Pas trop mûr. Ah, pas trop mûr, merci. Oh, écoute, ça ne te fait pas plaisir? Mais si. Et puis l'important, c'est que toi, tu le sois pour moi. Quoi? Et bien mûr. Tout à fait. Ah, je me sens tellement mûr que je veux bien boire un petit coup, là. Ne serait-ce que pour le moral. Allez, viens, allons-y. Où ça? Au lit. Oh oui, mais dans celui de ta sœur. Celui de ma sœur. Mais tu sais bien que là, ça dérange Réanna que je vois son sang dessus-dessous. Oh oui, alors allons dans le lit de ma sœur. Dis, tu crois qu'elle nous en voudra qu'on serve de son lit? Mais non, et puis on lui dira pas. Maintenant, ça n'a plus aucun goût. C'est toi qui m'as dit de mettre de l'eau. Il prend toute la bouteille. Enfin, c'est pas grave, je vais en rajouter. Qu'est-ce que je cherche, moi? Ah oui, le whisky. Le whisky. Où est-ce qu'il peut être? Les trésors sur le bar. Ah bah oui, sur le bar. Non, sur le bar, il n'y est pas. Je viens de me servir. Ah bah, je t'assure, hein. Ah non, les hommes, vous êtes bien tous les mêmes, hein. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben Bernard aussi, il a les choses sous le nez et il me demande où elles sont. Oui, bon, écoute, sois gentil de ne pas me parler de lui, hein. C'est pourtant pas ma faute si vous avez des points communs. Oui, eh ben c'est pas la peine d'en parler. Pourquoi pas? Enfin, imagine une seconde la tête que ferait ton mari si tu lui parlais tout le temps de moi. Mais enfin, Trésor, une femme peut parler de son mari à son amant, mais elle ne peut pas parler de son amant à son mari. C'est bien connu, ça. Et c'est curieux, je me demande bien pourquoi. Oui, sans doute que les mariés ont les idées beaucoup moins larges. Enfin, quoi qu'il en soit, ça m'est désagréable que tu me parles tout le temps de lui. Bah, vous vous ressemblez, hein. Bon, qu'est-ce que je cherche? Le whisky, sur le bar, sous mon nez. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, il est pas.
Mais c'est insensé, je viens de poser là. Ah, exactement là. Sans doute que ta bonne devait encore avoir soif. Ah non, là, elle exagère. Non, à peine. Allez, laissons tomber le whisky. Non, non, je vais la secouer, tu vas voir ça. Mais je tiens pas du tout. Et qu'elle me voit en pyjama, d'ailleurs. Mais tu es très bien. Oui, c'est possible, mais ce pyjama me flanque des complexes. Non, on aurait mieux fait d'aller chez moi, hein. Oh. On est là, hein. Ben, allez, viens. Alors, maintenant que je suis décidée, ça me plaît de te faire attendre un peu, pas toi? Non, j'ai assez attendu. Allez, 5 minutes et chie à toi. Oui, comme ça, ça va. Mais pas plus, hein. C'est possible qu'une alliance en or soit moins jolie qu'une alliance en diamant. Mais c'est pas certain. Du reste, il faudra bien réfléchir avant de se décider. Mais vous, ça n'empêche pas d'en parler. Mais oui, bien sûr, on peut en parler. Mais on en parlera demain, tu vois, parce que demain, c'est bon. Alors j'y vais. Où ça? Me repomponner. Oh oui, je vais t'aliver. Enfin, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Mais c'est pas de ma faute si je rêve en dormant. Eh bien, réveillez-vous, où est-il? Mais qui ça? Le whisky, puisque vous ne l'avez pas touché. Il doit être à sa place. Vous voyez bien que non. Oh. Et ça, c'est de l'eau de Cologne. Quoi? Vous voyez bien qu'il était là. Oh, ça alors? Vous aussi, vous devez rêver en dormant debout. En effet, je ferais mieux d'aller me coucher. C'est bien mon avis. Bonne nuit, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à moi. À vous? Oui, 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 c'est comme qui dirait maliseuse fantaisie. Mais je vous ai jamais vu avec. Bah non, je ne l'apporte que dans les grandes occasions. Ça, pour passer le Cap Horn. Voilà, voyez, comme ça. Ça, je me sens bien au chaud, oui. Bon, eh bien, ne prenez pas froid. Non, non, oh là, je risque rien, je suis couverte, j'aurai pas d'embrasse. Voilà, je l'ai. Ah, bah, tant mieux. Mais où vas-tu? Là-bas, au... Ah, oui. Dis-moi, c'est bien là? Non, là-bas. Ah, bon. Dépêche-toi. Je cours. Mmh. Sans madame? Non, non, pas encore. Ah, je demande pardon. Pas encore madame. Ah non? Bah non, toujours mademoiselle. Ah oui? Enfin, pour le moment. Pour le moment? Bah oui, parce que bientôt... Vous ne serez plus mademoiselle. Voilà, vous avez deviné. Parce que je serai madame. Ah, oui, 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 oui. Ah, bah alors, écoutez, permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur. Très gentil. Bon, ben, du tout, du tout. Tout naturel. Alors, si je peux me permettre... Fait. Je vais présenter également tous mes vœux de bonheur au futur mari. Je ne manquerai pas. Hein. Oui, bon. Avec également toutes mes congratulations. Je ne manquerai pas non plus. Et ce sera de la part de... Oh, ben... Mais qu'est... Qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous vous connaissez? Non, non, pas du tout. Non, on vient de se rencontrer. Alors j'ai bien fait de venir pour les présentations. Mademoiselle Buquet. Enchantée. Avec un cul. Oui, c'est... Oui, ça je vois. Et ça s'écrit avec un cul. Ah oui, c'est normal. Oui. Et lui, c'est monsieur... Robert Renaud. Très heureuse. Oh, mais moi également. Mais je vous prie de m'excuser. Ah, je vous en prie. Je suis assez pressée. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je vais là. Ah bon? Ah bah, si vous allez là, allez-y, alors. Ah bah oui, bah, c'est bien ce que je fais. Merci. Qui c'est? Lui? Lui. C'est le locataire du dessous. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il fait ici à cette heure-ci? Bah, vous avez bien vu où il allait. Oui. Il n'a pas de salle de bain? Elle s'est effondrée. Sa salle de bain? Sa salle de... Sans doute à cause de tous les trous qu'il y a ici. Oh,
C'est un drôle d'immeuble. Ah oui, alors comme il m'a demandé la permission d'utiliser la nôtre, je lui ai dit d'accord, mais surtout vous ne l'avez pas vu. Ah non? Si Poupou savait que je laisse entrer ici à l'étranger la nuit, il serait furieux contre moi. Oh, ça je ne veux pas. Ah, je vous aime un... déjà. Ah, vous êtes gentil. Vous savez qui vous me rappelez? Non, qui? Vous me rappelez ma cousine. C'est pas possible. Si. Je ressemble à votre cousine? Oui, non, dès bah que alors... je vous ai vu ce soir, vous êtes tellement pareil. J'ai eu envie de vous embrasser. Mais il ne faut pas vous gêner, vous savez. Ça, des cousines, ça s'embrasse, allez. Allez. Mais vous pouvez être tranquille, je ne dirai rien au sujet de locataire du dessous. Ah, très bien, merci. Parce que je ne veux pas que Poupou soit fâché contre moi. Ben non, surtout pas. Oh, ben je ne veux pas le perdre. Non, non. Oh. Écoutez, à vous, je peux le dire. Oui. Figurez-vous que d'habitude, je rencontre que des hommes qui sont mariés. C'est pas possible. Oh. C'est comme un fait exprès, à croire qu'ils le sont tous. Enfin, il y en a beaucoup. Oui. Alors, pour une fois que je rencontre un qui est libre. Qui? Eh ben, Poupou. Oh, oui, Poupou. Ah, ça. Ah, ça, libre, honnête et pas menteur, ça. Vous ne pouvez pas trouver mieux que Poupou. Tant mieux. Et à propos, vous n'avez jamais pensé à vous marier? Oh, si, je connais, je sais, j'ai déjà beaucoup, beaucoup trop donné. Non, non, plus tard, peut-être, pour agrémenter ma retraite, on verra. Eh bien, tant mieux. Parce que si vous n'avez personne, eh bien, vous allez rester ici avec nous. Eh ben voilà, c'est ça. Eh bien, alors, bonne nuit. Oh, c'est à Poupou qu'il faut la souhaiter. C'est drôle. Oh, oui, j'essaie, mais c'est bon. Allez, donc. Ah, quoi? Ah, ben, vous êtes là, vous. Ben oui, je suis là. Oui. Elle est partie? Oui, qui? La fille qui était là. Oui, ah oui, bah oui, elle est rentrée chez elle. Chez elle? Bah oui, c'est la locataire du dessus. Ah oui, mais elle sortait de là. Ah oui, 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 non, mais ça c'est normal. Et sa salle de bain est pleine de trous. Ah bon? Oui, oui, oui. Alors, pendant les travaux, elle m'avait demandé la permission de venir. Mais, oui, mais oui, si, oui, je comprends. C'est... Mais surtout, d'aller pas répéter ça à la patronne. Si elle apprenait que je laisse entrer une étrangère ici la nuit, elle serait furieuse contre moi. Non, 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 soyez tranquille, je ne dirai rien. Oh, ben vous êtes bien bon, vous. Et gentil, et tout, et tout, et tout. Hein. Non, c'est tout naturel. Ah, vous êtes très sympa. Allez, non. Moi, je serais vous, je traînerai plus longtemps par ici. Hein. Et pourquoi? Ben parce que, à force de la faire attendre, elle pourrait peut-être changer d'idée. Ah non, non, alors. Oh, 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 bon. Alors, allez, au lit. C'est ça, vous aussi. Bonne hein. nuit. C'est bien simple, j'avais voulu lui demander. Oui. Ah bah tiens, elle est là. Qui est là, patron? Vous? Oui, moi. Oh, moi, j'en vois passer du monde. Oh. Où ça? Dans ma tête. Tout bouge dans ma tête. Et vous, vous cherchez quoi? Du champagne. Ah, fallait le dire. Ah bon, vrai. Merci. Ah, à propos, pour son petit déjeuner, vous ferez du chocolat, mademoiselle Buquet. Ah, avec du cucre. Quoi? Ça fait rien. Du chocolat pour vous aussi? Ah oh bah oui, tiens, pourquoi pas, ça me changera. Voilà. Oui, alors pour moi, ce sera du chocolat au lait, à cause de mon régime. Tu suis un régime? Oui, oh pour bah grossir ça... un peu. Ah oh, ça, c'est la première fois que j'entends une femme dire ça. Mais non, mademoiselle doit entretenir son buquet. Enfin, je vais dire ça, ses volumes. Absolument. Mais tu es très bien comme tu es. Oui, mais il faut que je sois un peu plus ronde. Là, je suis comme un clou. Un beau clou. Ah oui. Non, mais enfin, moi, je veux pas que tu grossisses. Oui, et ben la mode change. Et pour mon métier, j'ai besoin d'avoir des formes, Poupou. T'entends, des formes? Chut, tout le monde dort. Enfin, voyons, personne peut entendre. Mais ça, c'est vous qui dites. Et moi, je te dis quand je suis mieux, quand je suis potelée. Bon, alors, monsieur Poupou, chocolat ou pas chocolat? Chocolat au lait. Bon, alors... Enfin, voyons, c'est insensé, ça. Bon, alors, vous avez compris? Non, Poupou, non, j'ai pas chocolat compris. Au lait. Oui, bon, chocolat au lait, au lait. Je sortais de là en me parlant. Qu'est-ce que vous disiez? Oh, n'importe quoi. Je me sens si seule. Mais il faut vous trouver quelqu'un. Oh, oui. Oh, j'aimerais bien un décorateur. Pardon? Avoir un ami d'enfance comme vous. C'est... Ah, oui, oui. Oh, Anna. Oui. Vous savez que je vous aime beaucoup. Non, je suis bien contente. Alors, tout cela entre nous, n'est-ce pas? Oui, oh, ça, bien sûr. Ce sont des histoires de femmes. Ah, ça, bien sûr. Et nous sommes comme deux amis. Ça, bien sûr. Deux amis qui se confient des petits secrets. Ça, bien sûr. Et vous? Vous m'aimez bien? Ah, ça, bien sûr. Ah, oh, oui. Ah, oui, je vous aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous préférez de mon mari ou de moi?
Vous lui répéterez pas? Non, non, je ne dirai rien. Je vous préfère vous. Oh, c'est gentil, ça, moi aussi. Vous m'aimez mieux que votre mari? Non, je veux dire que moi aussi, je... Ah, bon, ah, j'ai compris, tout le monde s'aime. Voilà. Alors, justement, oui. Je voulais vous demander... Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de plus à votre ami d'enfance qu'à votre mari? Mais des tas de choses. Par exemple? Par exemple... Par exemple... Par exemple... Prenez votre temps. Eh bien, non, c'est différent, n'est-ce pas? Ah, c'est autre chose. Voilà. Ah. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je parlais. Arrête de parler, viens. J'arrive. À propos, tu m'as demandé pour le... Ah non, 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 pour son petit déjeuner, il oui, voudrait... Oui, du chocolat, je sais, il vient de me le dire. Ça... Moi? Oui, non, j'ai deviné, mais c'est pas... Vous prendrez du chocolat, vous aussi? Ah bah oui, pourquoi pas? Oui, pour être un peu plus potelé. Ah oui, n'est-ce pas, je suis si mince. Non, t'es très bien comme ça. Je prendrai donc du chocolat. Alors, chocolat pour tout le monde. Tout le reste est assez compliqué, simplifions les petits-déj. Bon, tu viens? Je te rejoins. Et où vas-tu? Mais chercher du parfum, oh là là, mais il est terrible. Oh oui, oh, il est terrible. Terrible, terrible. Vous avez pas l'air convaincu. C'est-à-dire que si on avait été chez moi... Oh, oh mais poupou, ça... pour vous, la vie est belle. Bah, pour ça, oui. Oui, vous avez pas l'air content, quand même. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bah, je sais pas. Je sais pas, peut-être que... Vous vous sentez un peu fatigué? Mais pas du tout! Non, je veux dire fatigué à force d'attendre! Ah oui, ah, oui, ça, oui, mais, plutôt, mais, oui. Ah, mais enfin, tout arrive! Ah bah dis donc, j'espère! Voilà, justement, allez, on lit! Quoi? Oui, pour vous comme pour moi, c'est le moment d'aller se coucher! Ah, vous avez raison! Ah, ah à propos! Oui, quoi? Avec le chocolat, oui. Je prends toujours des croissants! Oh, c'est bien ça! C'est bon, les croissants! Puis il faut sortir pour aller les acheter! Oh, et des coups de pied au cul, c'est pas mal non plus! Elle est sympa, elle est vraiment sympa. Bonsoir. Hein, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, ça alors! Oh, ça alors! C'est fantastique! Oh, bah oui, c'est fantastique! Comment ça va? Bien, bien, et vous? Eh bien, ça va bien aussi. Ah, ça me fait drôle de vous voir. Pour moi, vous étiez si loin. Ah oui, n'est-ce pas? Il y avait tellement de monde à cette vente que je me suis trouvée emportée par la foule. Par la foule? Eh bien oui, rappelez-vous, le superbe secrétaire qui était à l'entrée. Oui, oui, le bras avec des moustaches et un nœud pape. Mais non, voyons celui qui avait une belle paire de sabots. Ah ben, c'est possible, hein, mais comme il était assis, moi, j'ai pas vu ses pieds. Enfin, voyons, rappelez-vous le secrétaire Louis XV, le dos d'âne qui est parti à 75 000 sans les frais. Vous l'avez bien vu. Où ça? À Drouot. À Drouot? Oui, le 25 du mois dernier. Oh, mais le 25 du mois dernier, moi, j'étais à Perpignan. À Perpignan? Mais oui, je présentais les bouteilles de vin doux pour l'élection de Miss Roussillon. De Miss Roussillon? Eh ben oui, je m'en souviens très bien. Vous en êtes sûre? Oui, oui, oui. Oui, parce que le lendemain, j'étais à Tarbes, le gros lot d'un motocross. D'un motocross? On ne doit pas parler de la même chose. Oh non, je ne crois pas. Excusez-moi, mais vous savez, quand j'ai pas mes lunettes... Oh, il n'y a pas de mal. J'ai dû confondre. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh, ben, oui, vous peut-être. Mais moi, je vous ai reconnu tout de suite. Ah bon? Oui, 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 pourtant je ne m'attendais pas à vous rencontrer. Mais qui êtes-vous? Ah, mais bien sûr, vous ne pouvez pas savoir. Raison de plus pour me dire ce que vous faites. Écoutez, c'est très simple, et eh bien voilà, je suis... Ah, là. Voilà du nouveau. Qui est-ce? Qui? Elle? Elle? Oui. Oh, comment vous savez pas qui c'est? Eh bien non. Oh, moi j'ai bien fait de venir alors. Eh bien c'est comme qui dirait ma cousine. Hein? Oui, voilà, comme qui dirait, parce que je l'aime. Comme une cousine. Voilà. En tout cas, je peux vous dire qu'il va être content quand il va voir que sa sœur est revenue. Quelle sœur? Eh ben, la sœur de... La sœur de mon patron. La sœur de votre patron? Oui, oui. Mais votre patron, c'est mon... Oui, je sais, c'est votre frère. Voilà. Mon frère? Mais oui, puisque vous êtes sa sœur. Quoi?
Oui, 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 c'est comme elle vous le dit. Oui, mais vous savez, hein, oui. Vous auriez dû prévenir. Prévenir? Oh, mais oui, que vous rentriez du Congo. Là, mais non. Du Congo? Oui, mais non, mais non, elle voulait pas le prévenir. Elle veut lui faire une surprise. Ah, oui. En tout cas, moi, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Je comprends pas bien. Non, c'est pourtant clair. Vous êtes au Congo. Au Congo. Au Congo, à La Ferté. La Ferté et le Congo, c'est pareil. Donc, vous n'êtes pas là. Oui, surtout qu'on ne vous attendait pas ce soir. C'est-à-dire que... Non, non, parce qu'ici, il n'y a personne. Non, c'est-à-dire que... Non, non, parce que celui qui est à Marseille serait furieux s'il savait qu'ici, il y a quelqu'un, vous, par exemple. Ah, oui. Ah. Évidemment, vu comme ça... Ah oui, mais on ne peut pas le voir autrement. Hein? Puisque vous ne pouvez pas être là, vous n'êtes pas là. Vous avez raison. En réalité, je ne suis pas là. Oui, ben là, je comprends pas. Alors, écoute-la, puisqu'elle te dit qu'elle n'est pas là. Bon, même si vous n'êtes pas là, ça n'empêche pas que je vous rende votre chambre. Ma chambre? Oui, non, mais je l'ai installée dans la chambre, là. Oui, à cause du désordre qu'il y a là. Ah oui. Oui, mais puisque vous n'êtes pas là, vous, le désordre, ça ne peut pas vous gêner. Ah non, 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 moi, le désordre... Oh, mais ça ne me dérange pas non plus de changer de chambre. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, on ne va pas commencer les déménagements à cette heure-ci. Non, 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 on va aller se coucher tranquillement et demain, il fera jour. Vous avez encore raison. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, Brigitte. Vous pouvez l'appeler Brigitte. Alors? Bonne nuit, Brigitte. Dis bonne nuit à la dame, toi. Oui, bonne nuit. Faut que je l'embrasse. Non, 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 tu vas pas l'embrasser à cette heure-ci. Non, non, non. Elle est très expansive. Oh, oui, et tendre aussi. Alors, on va pas jouer les prolongations. Hein. Ces dames, au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, tu as compris. Elle ne voulait pas dire qu'elle était là pour faire une surprise à Poupou. Oui, 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 ça j'ai entendu. Bon, si tu ne veux pas que je perde ma place, il ne faut rien lui dire. Mais non, je ne dirai rien. Mais pourquoi vous l'avez raconté que je suis votre cousine? Pour lui éviter un choc. Un choc? Bien sûr. Ils ont tellement vécu ensemble. Enfin, ils ont tellement grandi ensemble. Mais forcément, un frère et une sœur. Ah, justement, ils avaient l'habitude de tout se dire. Alors, elle débarque des tropiques, du Congo, et tout d'un coup, elle apprend que son frère va t'épouser. Mais elle tombe raide. À ce point-là? Bien sûr. Dans les tropiques, là, au Congo, là-bas, elle a attrapé des fièvres. Elle est restée très, très, très fragile. Très... Ah, oui, oui. Ah, ah, oui, je vois, oui, oui je vois. Oui, oui. Donc, il vaut mieux que ce soit Poupou qui lui annonce notre mariage. Absolument. Que ce soit Poupou, surtout lui. Voilà. Eh bien, alors, merci pour voilà, tout. Voilà, de rien, ma chérie. Bonne nuit. Ah, dis-moi, ça... propos. Oui, quoi. Alors, c'est à quel sujet? Qu'est-ce qu'elle fait là, votre cousine? Eh bien, c'est-à-dire... Aucune idée. Ah si, si, si. Vous avez vu à quel point elle est bizarre. Mm. Tout d'un coup, l'idée lui est venue de venir m'embrasser, me voir, et on ne sait pas du tout pourquoi. Ah, voilà. Et c'est parce qu'elle a débarqué à l'improviste que vous lui avez donné une chemise à moi. C'est tout à fait ça. Ah oui, mais c'est pas pour ça que votre cousine croit que je suis la sœur de mon mari. Ah non. Ah non, ça c'est moi qui lui ai dit quand elle a vu la photo. La photo. La photo. Imaginez qu'elle rencontre votre mari par hasard, qu'elle lui raconte qu'elle a vu sa femme traîner ici cette nuit. Et rendez-vous compte, imaginez la réaction du patron. Vous pensez à tout. Mort. Non, pas de toute façon, comme il est à Marseille, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Mais enfin, vaut mieux être prudent quand même. C'est... Oui. Oui. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle pense que j'arrive du Congo. Ah non, c'est parce que moi je lui ai dit que vous étiez dentiste au Congo. Je suis dentiste là-bas? Ben oui, vous ne le saviez pas. Et si vous me le dites? Mais oui, c'est parce que moi je l'ai dit à ma cousine. Ah, et pourquoi le Congo? Eh ben parce que le Congo, la Ferté, les tropiques, c'est très très loin. C'est très loin, comme ça personne ne peut soupçonner que vous êtes ici. Ah, voilà. Et pourquoi dentiste? Parce que je devais chercher ma brosse à dents quand ma cousine a vu votre photo. Oh, voilà, mais comme ça, je comprends tout. Vous êtes vraiment parfaite. Oui, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Mais si le vent se lève... là, on vient de passer à force 8. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Je passe à force, à force de passer et de repasser. Voilà, je repassais. Oh, là, mais pourquoi? Pour essayer de savoir d'où allait venir le vent. Parce
que c'est tellement imprévisible. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit... Non, non, merci, de rien. Je vais aller voir si la chaîne de sécurité était mise. Ah, oui. Oh, bah tiens, inquiétez pas. Justement, je me demandais si c'est bien utile. Quoi? De mettre la chaîne? Non. De vous en passer une à vous, avec cette chose qui est là. Vous savez que je vous aime beaucoup, Anna. Ah, moi aussi, Poupou. Alors, justement... c'est vrai, on est comme des copains, tous les deux, hein? Ah, des copains célibataires! Eh oui, alors, hein, les histoires de copains, ça reste... Entre copains! Justement, hein? Je voulais vous demander... Oui? Que, pourquoi vous avez amené cette chose-là, ici? Parce que c'était ici ou nulle part. Ah, vous y tenez tant que ça? Bah, sans ça, elle serait pas là, hein? Oh, vous êtes bien comme les hommes, vous êtes resté un enfant. Vous aimez les jouets, les trains électriques. Ça vous ennuie? Oui, quand j'entends un train électrique parler mariage, ça m'inquiète. Oui, vous savez, là, on parle, on cause. Oui, bah, faudrait pas trop parler, parce que ça cherche la sécurité, les trains électriques. Et puis ça roule partout jusqu'au moment où ça trouve une bonne gare. Oh, attention, hein, nous n'en sommes pas encore là. Bah heureusement, parce que c'est pas un train pour vous. Ah non? Oh non, mais il n'y a qu'à vous regarder. Enfin, écoutez, je connais, je sais, hein, j'ai beaucoup donné. Il n'y a qu'à vous regarder pour voir que vous aimez les femmes distinguées comme elles, comme la vôtre. Mais c'est normal, avec l'allure que vous avez. Oh, vous trouvez que j'ai de l'allure? Oh, bah comment? Quelle allure? Et quelle classe, surtout. Oh, vous trouvez que j'ai de la classe? Votre classe? Mais tout le quartier en parle de votre classe. Ah bon? C'est pour ça que c'est navrant de voir un type distingué comme ça. Avec cette chose qui veut engraisser, enfin, vous êtes beaucoup trop bien pour elle. Ah bon, vous croyez que... Ah, c'est pas ce que vous vous dites un peu à vous-même? Pas exactement, mais enfin, il y a un peu de ça. Non. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est fait, est fait. Faudrait défaire. Hé, il n'y a encore rien de fait. Justement, vous n'êtes peut-être pas trop tard. Oh, si j'étais à votre place. Ah oui, mais vous y êtes pas. Non, j'aime mieux la mienne, hein, elle est plus cool. Ouais, vous avez peut-être raison. Enfin, hey, je verrai. Hein. Oui, c'est tout vu. Oui, je vais voir. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh, je vais regarder si la sécurité est mise. Mais je viens de la mettre, je viens de vous le dire. À moi? Mais oui, à vous. Vous craignez qu'ils viennent du monde? Non, c'est pas ça. Quoique, j'aurais préféré aller chez moi, hein. Mais vous n'arrêtez pas de le dire, mais allez-y chez vous, mon vieux. Allez-y. Mais c'est pas la peine de vous énerver. Mais je ne m'énerve pas! Personne ne viendra, vous entendez? Y a plus une place ici, plus une. Sommes au complet, au complet. Mais c'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Je me mettrai dans l'état que je veux, quand je veux, et si ça me plaît. Et n'oubliez pas d'éteindre. Ben ouais. Elle est très sympa. Bonsoir. Vous avez l'heure, monsieur? Ah oui, monsieur, j'ai l'heure. Pensez pas qu'il était si tard. Ah, mais le temps passe en ce moment, hein. Remarquez, moi, j'avance toujours ma montre de 5 minutes. C'est pas une mauvaise chose. N'est-ce pas, hein? Oui, comme ça, quand on veut avoir l'heure exacte... Oui, il suffit d'ôter 5 minutes. Ah, oui. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme petit truc qui simplifie la vie. Hein. Oui, n'est-ce pas? Oui. Un bon bonbon. Et ben voilà, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Pardon. Oui, excusez-moi, pardon. C'est très bien.
Mais à qui ai-je l'honneur? Et moi-même. Je le savais. Non, mais voilà. Ce qui devait arriver arrive. Mais qu'est-ce que vous dites? Voilà, j'arrive pour ramasser les morceaux. Mais quels morceaux? Alors, qu'est-ce que vous avez cassé? Mais rien! Mais qui est-ce? Lui? Oui. Et lui? Bah, comment et moi? Mais vous êtes qui, vous? Non, répondez! Qu'est-ce qu'il fait là? Ne vous énervez pas, vous allez comprendre. Bah, j'espère bien. Oh, c'est l'amant d'une femme mariée. Écoutez donc, vous, faut pas raconter ça, voyons. Mais pourquoi? Puisque c'est la vérité. C'est pas une raison, ça regarde que moi. Ah, mais non. C'est très intéressant. Oui, même si c'est toujours le même processus, hein, on attend que le mari tourne le dos et hop. C'est tout à fait ça. Vous pensez si je connais la musique? Oui, ça, il connaît, il a déjà donné. Enfin, je vous parle de ça, c'était avant que je sois marié. Ah, parce que vous êtes... Avec une femme délicieuse. Mais dites-moi, si pour vous le mari a débarqué sans prévenir, c'est embêtant. Mais non. Mais enfin, c'est tout comme. Ah, parce qu'il vous a surpris? Mais non. Oh, il aurait pu. Ah, voilà, là, dites pas, oui, alors là, il y a des fois, il faut courir très vite, hein. J'ai jamais compris pourquoi les maris débarquaient toujours à l'improviste. Ah, ça, moi non plus. Ah, oui, à mon avis, il doit flairer quelque chose. Oui, sûrement. Ah, ça, quand on veut jouer les amants, c'est pas tout rose, hein. Ah, oh, ça, oui, c'est justement ce que je lui disais, hein. Oui. Parce que parfois, on ne sait pas comment ça peut tourner. Ah, ça, c'est sûr. Ah, et croyez-moi, mon petit vieux, si je peux vous donner un conseil, le mieux, c'est de s'organiser pour faire ça chez soi. Ce culot! Ah ça oui, mais c'est ce que je lui disais. Comme ça, ni vu ni collé. Je t'embrouille. Ça, c'est vrai. Et on est tranquille. Oh, ben, quel dites-vous? Alors, vous comprenez, moi, j'aurais préféré aller chez moi. Ah, et alors? Elle a voulu aller chez elle. Ah oui, mais ça, la prochaine fois, il faut que vous preniez la direction des opérations. C'est tout à fait mon avis. Ah oui? Oh, je suis contente de voir que vous êtes d'accord, tous les deux. Ah, entre hommes, on se comprend toujours. Oh. Ça, c'est vrai. Et dites-moi, sans indiscrétion, elle est jolie, votre... Elle est extra. Il m'a dit qu'elle était extra, il en est très content. Hein? Oui. Oui, si, elle est très jolie. Et alors, mon petit vieux, tous mes compliments. Alors, merci bien. Ah, je comprends que vous ayez pris des risques. Ah, ça, la passion avant la raison. Je connais, j'ai donné. Mais si, à mon avis, à l'avenir, mon petit vieux, vous devriez jouer la prudence. Oh, bah vous pouvez compter dessus, parce que les histoires, très beau pour moi. Bon, eh bien, je crois qu'il se fait tard. Vous avez raison, je vais me coucher. Allez, bonsoir. Eh bien, salut, mon petit vieux. Et encore bravo. Bravo. Fais ce qu'on peut, hein. Mais où il va? Oui? Oui, qu'est-ce qu'il va faire dans ma chambre? Dans votre chambre? Ah, quoi, c'est ma chambre, ici? Ah, bah oui, c'est vrai, c'est votre chambre. Mais qui est-ce? C'est le meilleur ami de mon neveu. Qui a juste eu le temps de sauter de la fenêtre de la femme. Comme il est arrivé. Alors, comme il est arrivé, je suis tout nu. Je me suis permise de lui prêter un de vos pyjamas. J'ai lu ça. Que jusqu'à demain, ça dérangerait personne. Ah, je comprends. Mais je voudrais pas me faire enguirlander par votre femme si elle le savait. Bon, enfin, pourquoi voulez-vous qu'elle le sache? Ben, si vous la lui dites. Enfin, voyons, réfléchissez, hein. Comment est-ce que je peux savoir que vous avez prêté mon pyjama à l'ami de votre neveu pour le faire coucher dans ma chambre, alors que je suis à Marseille? Est-ce que je suis bête? N'est-ce pas? Oh non. Et vous, comment ça va? Oh, moi, ça va, mais
On est tout le temps dérangé. Oh, ça, c'est sûr. Ça. Bon, mais alors, maintenant, j'y vais, hein, parce que hey, la nuit avance, hein. Oui, oh, oui, oh là là, ce travail, ce travail. Oh, dit-on, à propos. Oui, quoi encore? Qui c'était? Oh, mais ça fait 25 fois que je vous le dis. À moi? Oh, oui, c'est le locataire du dessous. Ah, c'était Monsieur Buquet. C'est ça. Quoi, Monsieur Buquet? Ah oui, le mari de la voisine. Mais la voisine, c'est... Oh, mais vous êtes sous, quoi? La voisine, c'est la locataire du dessus. Lui, c'est le locataire du dessous. Mais il sortait de là. Eh ben oui, non mais ça c'est normal. Ah oui. C'est, oui, il m'a demandé la permission d'utiliser la salle de bain. Alors j'ai dit d'accord. Ah bah ben oui, alors toutes les salles de bain d'au-dessus et d'en dessous sont foutues. Exactement. Toutes, sauf la nôtre, qui est en sandwich, donc intermédiaire. C'est comme qui dirait une salle de bain publique. Mais surtout, n'allez pas lui répéter ça, hein. Pourquoi? Oh, parce que je me suis en guirlandais. Elle penserait que j'ai mis une soucoupe et que j'attends les pourboires. Ah, évidemment, vu comme ça. Hein. Bah oui, mais on peut pas le voir autrement. Salut. Eh bah, c'est ça, bonne nuit. Hein. Oh oui, oh bah ça, je l'aurais pas volé. Oh, bonne nuit. Oh, ça, je pourrais jamais fermer l'œil dans cette réserve d'explosifs. Il faut que je fasse sauter ce système avant que ce soit lui qui nous dynamite. Alors voyons, comme ils ne sont pas partis, il faut les faire rentrer. Pour ça, il y a les trains et le téléphone. Allez. Madame. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Votre mari, vite. Qui? Oui, l'autre, le vrai, vite. Allez, dépêchons, parce que sans ça, moi, je... Mais oui, qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais je comprends. Ah, il est au téléphone. Vous avez dîné avec ce monsieur à Orly. Ah, et il vous a dit que l'affaire était arrangée. Bon, en effet, c'était inutile de voler jusqu'au vieux port. Et pourquoi est-ce qu'il appelle? Oui, oh, sachant qu'il n'y avait personne ici, vous avez fait le numéro machinalement. Ah. Mais c'est comme madame. Elle l'a téléphoné aussi. Qu'est-ce qu'on dit qu'elle rentrait de la Ferté? Ça, vous voulez lui parler? Il va entendre, alors parlez-lui directement. À quelle heure son train? Oh, bah attendez, je vais voir. Quelle heure, la Ferté? Ouais. Dans 25 minutes. Dans 25 minutes. Oh, ça va lui faire plaisir. Quelle bonne idée. À tout de suite. Mais qu'est-ce que vous avez raconté? N'importe quoi, sauf la vérité. Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors maintenant, il va vous chercher à la gare. Vous devez y aller tout de suite. Oh, je me demande de combien je vais vous augmenter, hein. Moi, j'avais pensé le double, mais si vous avez prévu davantage, oui, je ne suis pas prêt. Mais il faudra pas le dire, parce que votre mari se demanderait pourquoi. Oh. Bon, allons maintenant. C'est exactement le même procédé, sauf que c'est l'inverse. Alors... Il y a quelqu'un? Il y a personne! Oui, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un! Non, la personne n'est pas là! Oui, bah si, la personne doit être là parce que ça urge! Poupou, ça urge! Ça urge! Mais quoi? Votre femme a téléphoné, elle arrive ici dans 25 minutes. Non! Voilà! Alors, si en débarquant elle tombe sur votre train électrique, ça m'étonnerait qu'il la fasse rire autant que vous. Oh, nom de Dieu! Ça avance! Non, mais c'est pas possible, tu dors! Je vais éreinter! Oh, ça, je me demande bien pourquoi, hein! Reste un temps d'attendre! Eh bien, lève-toi! Ah non, pas juste au moment! Fais ce que je te dis, hein! Ah non, moi, je suis venu pour l'amour, je resterai jusqu'à temps que j'ai eu ce que je veux! Non, c'est inimaginable, hein! Attention, l'heure tourne, ça tourne! Voilà, je suis prête, oh. Dites-moi! Heureusement que vous avez entendu le téléphone! Bah oui, heureusement! Eh ben... Quoi? Vous avez oublié quelque chose! Quoi donc? Votre valise! Oh mon Dieu, ouais, j'ai la tête! Oh! Je l'ai laissé à la consigne. Vous la prendrez en arrivant. Bon, alors débrouillez-vous pour la faire partir. Allez, hein. Je m'en occupe. Bon, prenez un taxi et surtout, n'arrivez pas sur le quai avant le train. Vous, je vous aime. Et moi donc. Où est-ce qu'elle est allée? J'ai lâché son mari à la gare. Il va revenir avec elle. Oh, il est futé, cet homme-là. Mon Dieu. Ils disent tous la même chose quand ils s'affolent. C'est à croire qu'ils n'ont aucun vocabulaire. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Relève-toi! Allez, vite! Pourquoi tu t'habilles? Ah, parce que ma femme arrive! Mais ta femme! Oui. Eh ben, la mienne, là, ma femme, j'en ai pas 36. Bah, heureusement, parce qu'avec deux, vous arrivez déjà pas à les tenir. Ah. Oui, mais si t'as une femme, t'es marié? Ah oui, ça m'en a tout l'air, ça. Bah alors, c'est pas vrai? Mais si, tout ce qu'il y a de plus vrai. Oh, alors, tu m'as menti, tu m'as déshonoré. Ah, mais
sonnerait, enfin, presque, pas tout à fait. Pas tout à fait, c'était moi une. Monstre, vilain, méchant, salaud, salaud, salaud. Mais je croyais que tu m'aimais. Parce qu'il est célibataire. Mais il est célibataire, à 16 heures. Oui, ça va, hein. Mais toi, t'es un véritable monstre. Que j'essaye, il y a des jours comme ça, hein. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais si, mais si. Ah, mais non. Votre serviette, vous arrivez d'Orly, ne l'oubliez pas. Bien sûr, hein. Bon, pendant que vous serez absent, je vais tout nettoyer. Nettoyer quoi? Mais toi, il faut que tu t'en ailles. Ah, voilà. Non, je reste. Voilà, je suis ici, chez moi. Oui, je m'en occupe. Okay, mais, merci. Ah, mais si c'est comme ça, tu vas voir. Oh, allez vite. Bon. N'oubliez pas de remettre votre alliance. Oh, mon alliance, c'est vrai. Oh, si je ne vous avais pas, vous. Oui. Oh, je me demande ce que je deviendrais. Ah, il va falloir que je vous augmente. Oui. Mais sans rien dire à ma femme. Hein. Alors, surtout, faut même lui dire pourquoi. Oui. Comme ça, tu vas voir. Vous n'allez pas tirer sur un bel homme comme ça. Alors, adieu. Oui, vite. Un bel homme, un fait salaud, oui. Mais lâchez ça, donnez-moi ça. Oh, vous allez tout salir. Oh, je l'ai raté. Mais non. Le premier que je trouvais de libre, un salaud de plus. On l'a copieré cette nuit d'amour. Oh, mieux fait d'aller chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Mademoiselle Buquet. Ah ouais, je connais. Vous voyez comme c'est frais et ferme. Et l'objet vaut l'orthographe. Ah oui? Et l'endroit vaut l'envers. Ah, à ce moment-là. Elle vous plaît? Elle est à vous. À moi? Je vous en fais cadeau, mais à une condition. Je ne vous l'enveloppe pas, mais vous l'emballez tout de suite. Allez, si elle veut, hein. Oh, mais bien sûr qu'elle veut. Je l'ai raté. Mais il y a un autre beau jeune homme qui arrive, beaucoup mieux, beaucoup plus sexy, beaucoup plus jeune. Allez, montrez-vous, vous. Oh, sexy, n'exagérons rien. Ah, vous n'allez pas la dégoûter au début. Ah, allez, regarde, beau jeune homme. Oh, je sais pas. Oh, mais moi, je sais, je le vois. Mais c'est le voisin du dessous. Mais oui, c'est pour ça qu'il est si beau. Et sa maîtresse vient de le plaquer. Vous êtes libre? Oui, complètement. C'est vrai? Puisqu'il te l'a dit, alors dépêche-toi. On est pour une minute. Oh. Eh ben voyez, un clou chasse l'autre. Ah, oui. Avec celle-là, j'irai chez moi. Hein. Oui. Oui, mais alors, n'oubliez pas d'enlever votre alliance. Ah ben oui, mais je la garde toujours, parce que si je la perdais, ma femme me ferait une vie infernale. Non, mais avec celle-là, si vous voulez que ça marche, il faut lui promettre le mariage. Le mariage? Mais c'est pas possible. Mais c'est pour ça que ça n'engage à rien. Alors, tu es prête? Alors, si je comprends bien, pour aller chez vous, il n'y a qu'un étage à descendre. Comment ça? Eh bien oui, puisque vous habitez en dessous. Ah bah oui. Non, mais oui, bien sûr, mais il a un autre local, hein? Hein, oui, j'ai un autre... Vous avez deux appartements? Mais oui, hein? Hein? Oui. Voilà. Et c'est dans l'autre appartement que vous allez aller. Voilà, elle va habiter mon studio. Voilà, oh, ça va être épatant. Mais vous savez, j'ai jamais connu d'homme. Non. Non, vous allez être le premier. Mais c'est pas possible. Oh. Et comme elle le dit, elle pourrait vous le jurer. Oui, je pourrais. Ah oui. Alors dans ces conditions... Il faudrait commencer à parler mariage. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Quand? Mais tout de suite. Oh oui, immédiatement. Voilà, pour commencer, allez donc boire votre chocolat ensemble. Vous aimez le chocolat? Ah oui, au lait. Il est coquin. Je l'avais dit, c'est une occasion à ne pas manquer. Oh, l'ascenseur. On ne sait jamais qui monte. Bon, passez par l'escalier de derrière. Ah oui, la porte qui est à côté du frigidaire. Voilà. Je connais. Oh, ça va être la porte du bonheur. C'est ça. On va aller manger chinois. Je vais faire marcher à la baguette. Celui-là, je sens que c'est le bon. Oh, bah si c'est le bon, alors... Tenez, ça c'est pour vous. Pour moi? Je vous la donne. Oh non. Mais si, je ne veux rien garder de poupou. Mais j'en veux pas. En souvenir de votre petite cousine. Oh, bah c'est vraiment pour vous faire plaisir. Ah, il faut que je vous rende votre liseuse. Entre, ma chérie, entre. Oh, mais tu sais, si tu m'avais pas fait remarquer qu'il y avait autant de trains, j'aurais jamais pensé que je pouvais revenir si vite. Et moi, dis donc, si en prenant ma carte d'embarquement, je n'avais pas rencontré Dumonteil et qu'ils me disent que Cornemou avait retrouvé sa serviette avec ses puces, eh ben, j'allais là-bas pour rien, hein. Oui, hein. Ça, pour une chance, c'est une chance. Et puis, tu es très gentil d'être venu me chercher à la gare. Et quand Anna m'a dit que tu arrivais, je n'ai pas hésité. Mais au fait, où est-elle? Anna!
Anna? Oh, tu peux crier, tu sais, ici, quand les portes sont fermées, on n'entend rien. Oh, oh, vous êtes rentrés tous les deux. Oh, comme je suis heureuse. Oh, je me languissais. Vous savez, si je ne suis pas partie... Oui, nous savons. C'est parce que... savons. Ah non. Ah non, vous ne pouvez pas savoir. Vous arrivez à l'instant. Oui, naturellement. Mais puisque vous êtes là... Oui. On avait deviné. De toute façon, vous n'avez aucune explication à nous donner. Mais j'ai profité de votre absence pour aérer partout. Alors, si vous trouvez du désordre... Et c'est que vous avez aéré. Oui, là, là, là-bas, là, parce que... C'est très bien. Quand vous recevez si peu de monde, il risquait d'avoir de la poussière. Ah, il n'y a pas à dire. Hein. On est quand même mieux chez soi. Que n'importe où ailleurs. Ah, oui. C'est vrai qu'on est bien tranquille ici. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce revolver? Je l'ai toujours avec moi. Parce que j'ai peur la nuit quand je suis toute seule. Papa, vous auriez pu tuer quelqu'un. Ah oui, hein. Oh, quand on y pense, hein, ça fait froid dans le dos. Ben regardez, vous avez fait un trou. Oh, ben vous savez, un trou de plus ou de moins. Puis là, je viens d'attaquer le plancher. Tu sais que tu me plais beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je te regarde et je sens que je t'aime. Et c'est seulement maintenant que tu t'en aperçois? Non, non, mais tout à coup, je me demande comment j'aurais pu faire pour passer ces 3 jours sans toi. J'avais oublié que vous aviez demandé du champagne. Moi, jamais! Mais si, tout à l'heure, au téléphone, avant d'aller à la gare. Ah oui, oui, oui! C'est une très bonne idée. Oh! Vous avez une jolie bague. Oh, elle vous plaît? Ah oui, beaucoup. Ah, elle est à vous. Oh bah non, non, je veux pas. Mais si, j'y tiens. Non, parce que non, j'y tiens pas tellement. C'est un cadeau de ma petite cousine. Vous permettez? Mais je vous en prie, vous faites ce que vous voulez. Ah, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Oh, vous êtes mignonne comme tout. Oh. Merci. Eh oui, merci pour tout. Oui, pour tout. Pour tout, pour tout. Mais non, c'est rien du tout. Allez, viens. Mais où vas-tu? Là. Dans la chambre d'amis? Oui. On aura l'impression de ne pas être mariés. Et de faire des bêtises ensemble. Oh, mon amour. Répondez, nous ne sommes là pour personne. Oui, 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 oui. Vous avez compris, hein, pour personne. Hein. J'ai l'habitude qu'il n'y ait personne à la maison. Allô, c'est la bonne, c'est Anna. Oui, monsieur Mulot. Monsieur Cornemou s'est fait voler sa serviette avec toutes ses puces. Il faut que je prévienne mon patron qu'il doit prendre le premier avion demain matin pour Marseille. Mais ce sera fait, monsieur Mulot. Comptez sur moi. La réalité dépasse la fiction.